herzlichen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir so zahlreich hier versammelt sind. Mein Name ist Stefan May, ich bin der Gastgeber im Café Lüppert, im Salon. Und ich erinnere mich sehr gut zurück, vor einem Jahr, La Nuit des Idées, waren wir hier ein bisschen weniger zahlreich, mindestens genauso spannendes Thema mit Professor Wissmann. Und ich freue mich, dass wir heute den Raum fast gefüllt haben. Und verzeihen Sie, dass wir ein bisschen später angefangen haben. Es lag an der einen oder anderen technischen Herausforderung, die wir gemeistert haben. Passt ja gut als Einstimmung auch in den heutigen Abend. Es wird viel um Technik gehen. Ich will mich, bevor gleich unser Ehrengast aus Frankreich das Wort hat, den ich im Nachgang vorstellen werde, mich bedanken bei unseren französischen Freunden und deren Repräsentanten. Monsieur Pierre Lanapaz, Consul General, ist heute anwesend. Tausend Dank, Pierre, dass du da bist und dass du uns unterstützt. Der spirituelle Rektor der Veranstaltung, nichtsdestotrotz, ist Thomas Vautravert, der Direktor des Instituts Français. Merci beaucoup, que vous soyez tous les deux là. Und ich bedanke mich auch besonders bei einem nicht anwesenden Diplomaten, und zwar beim italienischen Konsul, der uns diese Technologie heute Abend, die uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, aber die Ihnen hoffentlich hilft, alles zu verstehen, zur Verfügung gestellt hat. Voilà, ich habe hier vielleicht einen kleinen Applaus für die Italiener, die Nichtanwesenden. Ja, und schon, Monsieur Lanapaz, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt? Parfait. Donc, Honora, wir fangen an mit einem Impulsvortrag. Meine französische Übersetzung wäre ein Discours magistral. Wir werden versuchen, ungefähr 10 bis maximal 15 Minuten jetzt Input zu bekommen. Und dann werden wir drei sozusagen, Professor Lüttgen, den ich auch gleich noch vorstellen werde, in medias res gehen, auf dem Podium, Themen anreißen und spätestens nach 60 Minuten sind Sie dann dran. Also gerne auch Fragen stellen aus dem Publikum, das ist ja integraler Bestandteil unserer diskursethischen Ansprüche hier im Haus. Und ich werde mit dem Mikro rumgehen, damit die beiden wunderbaren Dolmetscher, die ich auch noch ganz kurz vorstelle, die kriegen jetzt Vorschusslorbeeren, Michaela Gomert und Stefan Tietze, die werden uns heute Abend, voilà. Und schon geht's los. Ich freue mich auf einen niederschwelligen, herrschaftsfreien, informativen und unterhaltsamen Abend. Und Sie haben das Wort, Monsieur Jean-Gabriel Ganassia. Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup d'être aussi nombreux pour venir m'écouter. Donc je vais faire un petit exposé introductif. Vous savez que cette réunion se produit dans le cadre de la Nuit des Idées, et chaque année, la Nuit des Idées, hein, qui, au même moment, hein, dans différentes institutions en France et puis à l'étranger aussi, hein, est consacrée à un certain nombre de débats. Il y a un thème chaque année, et cette année, c'est le vivant. Et moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du vivant, je suis un spécialiste de la machine. Alors, je me suis demandé pourquoi on m'a invité. Et donc, je vais essayer de vous parler du vivant et de la machine. Alors, pour engager cet échange sur le vivant et la machine, le vivant et l'artificiel, hein, organisé à l'initiative de l'Institut français de Munich, je vous propose de commencer par une citation de Leibniz qui m'apparaît d'excellent augure ici pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle établit un pont entre la langue française et l'allemand. Vous savez que la monadologie, d'où le texte que je vais citer ici est tiré, a d'abord été écrite en français, avant d'être traduite en allemand et en latin, et d'ailleurs de n'être connue qu'en allemand et qu'en latin. Elle n'a été publiée en français, la version française originale n'a été publiée que beaucoup plus tard. Elle a été publiée au milieu du 19e siècle, or que la version originale avait été écrite en 1714. Mais la deuxième raison pour laquelle je voulais mentionner Leibniz, ici, parce que c'est beaucoup plus lié à notre sujet, encore que, bon, il s'agisse quand même d'un lien entre l'Allemagne et la France, mais la deuxième raison, c'est que dans la monadologie, Leibniz écrit « Chaque corps organique d'un vivant
est une espèce de machine divine ou d'automate naturel. Et puis il s'empresse de distinguer entre la machine divine et l'automate naturel d'un côté et les machines faites par les hommes. Autrement dit, les automates artificiels. Et il dit, hein, je le cite, hein, une machine, donc le vivant est réductible à des machines, mais une machine faite par l'homme n'est pas une machine dans chacune de ses parties. Alors, oui, souvent on dit l'intelligence artificielle n'est pas capable parce que ce sont des machines et que le vivant n'est pas une machine. Lui, il dit l'inverse. Il dit le vivant, c'est une machine. Mais il dit le problème, c'est que ce sont des machines faites par l'homme. Et il dit les machines faites par l'homme ont des défauts parce qu'elles ne sont pas assez machines. Elles ne sont pas machines dans les moindres de leurs parties. Il dit par exemple, la roue d'une dent de laiton a des parties ou fragments qui ne nous sont plus quelque chose d'artificiel et non plus rien, qui la marque de la machine par rapport à l'usage. C'est-à-dire que la dent de laiton, à un moment donné, vous rentrez dedans et vous n'avez que du laiton, et ça n'est plus une machine. Tandis que dans le vivant, quand vous creusez, vous n'avez que des machines. Alors c'est très intéressant parce que ça bien sûr, change tout à fait la perspective qu'on a, parce qu'on dit que l'intelligence artificielle ne marche pas parce que c'est une machine. Et là, dit non, c'est parce que ce n'est pas assez machine que ça ne marche pas. Alors ça va nous conduire plutôt à distinguer quatre plans et quatre concepts. Le vivant d'un côté, la machine de l'autre, et puis le naturel, et puis enfin l'artificiel. Et puis on va réfléchir à leurs articulations. C'est ce qui va me conduire justement à lancer cet exposé. Alors, le vivant est naturel, ça on peut dire, ça pose aucun doute. Le vivant est intégralement machine, du moins c'est ce que nous dit Leibniz. Et d'après un certain nombre d'autres philosophes, d'ailleurs, hein, si on prend Descartes, hein, pour qui les animaux hein, sont des machines, hein, c'est assez vrai. Ou alors, si on prend toujours dans le domaine français quelqu'un qui s'appelait Julien Onfray de La Mettrie, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'homme-machine », non seulement les animaux sont des machines, mais les hommes sont des machines. Tout le monde, ceci étant, ne s'accorde pas sur le sujet. Hein. Alors d'abord, pour Descartes, vous savez que les animaux sont des machines, mais les hommes ne sont pas tout à fait des machines. Mais je vais citer un autre philosophe français, Blaise Pascal, qui nous dit les différences, disons, il distingue entre ce qu'on appelle l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, c'est justement ce qui peut être simulé par une machine, et lui-même connaît bien les machines, puisqu'il a fabriqué une machine à calculer. Mais l'esprit de finesse, ça va un tout petit peu au-delà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui échappe aux machines. Alors, ce n'est pas là-dessus, bien sûr, que nous allons nous attarder aujourd'hui. C'est une question philosophique hein, qui mérite un débat. Il faudrait un autre débat. Hein, pour... Mais maintenant, je vais nous demander, si le vivant est intégralement machine, le vivant serait-il aussi, ou pourrait-il aussi être non seulement machine, mais une machine faite par l'homme ? C'est-à-dire, est-ce que le vivant peut être artificiel ? Autrement dit, est-ce que l'homme pourrait reproduire le vivant par son art propre en fabriquant des machines ? Et quelles que seraient les conséquences de cette reproduction ? Alors c'est à partir de ce thème que je vais essayer hein, de poursuivre cet exposé. Alors on va commencer hein, par envisager la reproduction artificielle du vivant en se demandant quel en est l'objet, quelle en est la fonction. Alors, première chose, ça fait extrêmement longtemps, c'est pas nouveau, que l'on tente de reproduire le vivant avec des machines. Vous savez qu'il y a toute une tradition d'automates hein, qui est née depuis la plus haute antiquité, mais qui s'est particulièrement développée à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Et vous savez, par exemple, que, pour citer les Français, hein, quelqu'un qui s'appelait Jacques de Vaucanson, qui était un ingénieur, a réalisé des automates, et en particulier, il a réalisé un joueur de flûte qui a fasciné toutes les cours d'Europe. Mais ce qui est intéressant dans ce joueur de flûte, c'est que non seulement ça imitait des hommes, c'était des automates androïdes, mais en même temps, il leur voyait un but scientifique. Il disait que c'était des physiologies artificielles. Et ce qui l'intéressait dans l'automate, c'est qu'il produisait le son avec une flûte par le mécanisme même par lequel il se produit. Il y avait des soufflets à l'intérieur, et il montrait donc que c'était une démonstration à l'aide de l'automate. Alors il a été beaucoup plus loin, il a réalisé un canard mécanique
qui prenait des graines, qui les broyait, qui déféquait. Alors il disait c'est une image de l'appareil digestif. Alors bien sûr c'est une image grossière, on peut dire c'est peut-être un modèle un tout petit peu trop grossier, hein, mais en tout cas ça nous montre bien qu'il y a une fonction scientifique possible des machines. Alors après, il y a toute une tradition, je ne rentrerai pas dessus, mais vous savez que, par exemple, il y a eu des têtes parlantes hein, au XVIIIe siècle, hein, en France, l'abbé Mical, en Allemagne, le baron von Kempelen, hein, à la fin du XVIIIe siècle, hein, et puis quelqu'un d'autre qui s'appelait Kratzen, hein, ont fabriqué ce qu'on appelait des têtes parlantes. Hein, c'était avec des jeux d'orgue, ils étaient capables de prononcer un certain nombre de phrases. Par exemple, on dit que la machine de Kempelen qui a obtenu un prix à Saint-Pétersbourg était capable de présenter des mots comme opéra, astronomie, Constantinople et des messages. Alors vous voyez, toute cette tradition d'automate donc, se poursuit durant tout le 19e siècle et puis ça se continue au 20e siècle. Mais ensuite, à partir de la moitié du 20e siècle, il y a des travaux scientifiques sur cette reproduction. Et ça commence avec, entre autres, la cybernétique. On essaye de reproduire avec des flux d'informations le vivant, la régulation du vivant. Et puis ensuite, un peu plus tard, dans les années 50, une nouvelle discipline va naître qui va essayer de reproduire non seulement le vivant, mais la pensée. Et c'est l'intelligence artificielle. C'est bien sûr ce qui va nous occuper ici ce soir. Alors, ça se poursuit d'ailleurs, hein, je ne rentrerai pas dans le détail, par ce qu'on appelle les sciences cognitives, qui essayent de modéliser la cognition. Mais je voudrais aller plus loin, hein, c'est aborder les limites de la simulation du vivant. Donc ça fait faire énormément de progrès, mais on peut se dire, mais jusqu'où ça va? Alors on peut essayer, avec ces techniques d'imitation, hein, d'égaliser le vivant, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Vous voyez que Leibniz nous a expliqué hein, qu'on était limité, c'est-à-dire que l'homme ne fabrique des machines qui sont toujours en deçà de la réalité. Or, on prétend aujourd'hui qu'on est capable d'aller simuler totalement la réalité. Et vous avez une institution tout à fait respectable, qui est la Communauté européenne, qui finance à hauteur d'1,5 milliard d'euros, je crois, un projet qui essaye de simuler l'objet le plus compliqué que nous connaissons, qui est le cerveau humain. Ça s'appelle le Human Brain Project. C'est ce qu'on appelle le flagship, le vaisseau amiral de la recherche européenne. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? C'est une question ouverte. Moi, je n'en suis pas très certain. Je serais plutôt d'accord avec Leibniz. Mais la question, c'est, même si on y arrivait, à quoi ça servirait? Vous voyez, c'est un peu, vous savez, cette nouvelle de Borges, la carte et le territoire. Si vous avez une carte qui est à l'échelle même du territoire, qu'est-ce que vous en faites? Justement, une carte est utile parce qu'elle est une réduction du territoire. C'est la même chose avec un modèle. Si vous faites un cerveau qui le double de notre cerveau, ça ne nous permettrait pas de mieux comprendre leur cerveau parce que nous serions aussi démunis face à ce double de notre cerveau que nous le sommes face à nos propres cerveaux. Alors maintenant, je vais aller au-delà de ça. On a dit qu'on peut égaler avec l'artificiel, le naturel, mais est-ce qu'on peut dépasser? Alors là, vous allez me dire, ils vont trop fort. Moi, je le suis d'accord. Mais il y a des gens dans notre communauté, enfin, moi, je suis scientifique, hein, qui disent, on va aller bien plus loin. Alors, ce sont des écrivains de science-fiction qui ont d'abord commencé, ça se comprend. Ensuite, ce sont des philosophes. On se dit, bon, les philosophes, de temps en temps, hein, ils vont de l'an. Mais ensuite, il y a des hommes d'affaires. Là, vous dites quand même, c'est incroyable. Et il y a même des scientifiques qui nous disent, on va dépasser ça. Alors, ça donne des théories comme les théories de la singularité technologique. C'est l'idée qu'il y a, vous voyez, la singularité, c'est au sens mathématique, c'est un point critique dans une fonction. Et c'est l'idée qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où les machines que l'homme a fabriquées vont le dépasser. Et alors, bien sûr, si les machines nous dépassent, il y a deux scénarios. Soit elles prennent le pouvoir et nous disparaissons. Ça fait un peu peur. Soit elle s'hybride à nous. Et alors là, il y a des gens, mais oui, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est employé par la société Google, et qui nous explique qu'on va, en s'hybridant sur les machines, pouvoir jeter notre corps, et puis ensuite devenir immortel. Hein, ce qui est pas mal, c'est vraiment que c'est intéressant. Alors le problème, c'est qu'on est des âmes sans corps, mais on peut se réincarner.
hein, dans des robots. Et il y a un milliardaire russe d'ailleurs qui a fait un site, vous pouvez y aller, 2045.com, parce qu'il pense que c'est en 2045. 2045, vous voyez, ça fait 25 ans. Alors, c'est dans longtemps, mais quand même, on peut, il faut commencer à s'y préparer, hein, parce que c'est pour l'éternité. Hein, donc, je vous conseille d'y aller. Donc, de fabriquer votre corps pour l'éternité. Alors, bien sûr, quels sont les crédits qu'on peut accorder à ce type de projection ? Ben, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans un livre que j'ai écrit il y a 3 ans, qui s'appelle « Le mythe de la singularité ». Et je l'ai écrit en tant que scientifique parce que j'étais assez inquiet de voir justement l'écho que pouvaient avoir ces déclarations. Et j'ai essayé de montrer que les arguments qui étaient allégués par les tenants de ces théories, du point de vue scientifique, n'étaient pas viables. Alors je vais vous les donner très rapidement, hein. Il y a 2 grands arguments. Le premier argument, c'est que les machines se développent très rapidement. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est une loi qui est émise en 1964, par le fondateur de la société Intel. Vous savez, la société Intel, c'est les petits processeurs. Hein. Et il s'appelait Gordon Moore. Et donc, il a dit les processeurs se développent de façon très rapide. Au plan mathématique, c'est ce qu'on appelle une exponentielle, c'est-à-dire qu'ils doublent à intervalles de temps réguliers. Et les exponentielles, au début, c'est très lent. Après, ça devient vertigineux. Et ce que nous disent des gens comme Ray Kurzweil, c'est que cette loi de Moore va se continuer. Alors ça, en tant que scientifique, je suis un peu dubitatif. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la loi de Moore, c'est lié à la miniaturisation des processeurs. Et à un moment donné, ben, on atteint l'atome. C'est vrai, on voit bien que ça ne va pas se continuer de façon éternelle. Et puis la deuxième question, le deuxième argument là-dessus, c'est que, est-ce que la conscience, puisqu'il nous dit on va télécharger notre conscience sur les machines, est-ce que la conscience, c'est juste une question de fréquence de calcul ? Non, visiblement. En tout cas, on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience. En plus, c'est plusieurs choses, la conscience. Hein. Donc, vous voyez, ça fait partie des... Alors, il y a un deuxième argument que j'appellerais l'argument Harari, d'un écrivain que vous connaissez peut-être, parce qu'il est assez célèbre, Yuval Noah Harari, qui a écrit, entre autres, un livre qui s'appelle Homo Deus, dans lequel il nous dit qu'il y a eu 3 grandes phases dans l'histoire de l'humanité. La première, les hommes étaient démunis devant ce qui se produisait, et donc, pour essayer d'expliquer les choses, ils ont inventé des dieux. C'est l'âge des religions. La deuxième, c'est, à partir du moment où ils commencent à comprendre, ils font des théories, ils anticipent ce qu'il se produit, et à ce moment-là, eh ben, ils vont se dire, on n'a plus besoin de Dieu, et l'être suprême, c'est l'homme, avec un grand H, ou l'humain. C'est l'époque hein, de l'humanisme, la vénération de l'homme. Et puis la troisième époque, il dit, c'est aujourd'hui. Hein, nous avons des machines qui sont plus puissantes que nous. Ces machines nous dépassent, et donc, bah, comme elles nous dépassent, on va être obligé de leur faire confiance. Par exemple, vous avez un médecin, et tout d'un coup, vous avez une machine qui fait un meilleur diagnostic que le médecin. Alors, vous allez dire, bah, je vais plutôt faire confiance à la machine. Et donc, à ce moment-là, il dit, bah, c'est le moment où les machines ne nous laissent plus libres, parce que les assurances sociales, par exemple, diront au médecin, bon, écoutez, taisez-vous, hein, la machine est meilleure, est meilleure que vous. Et alors, bien sûr, cette troisième étape, il appelle ça... Hein, puisqu'il dit que ce sont des machines entraînées par des données, il appelle ça le dataïsme. Hein, pas confondre avec le dadaïsme. Alors, là encore, hein, est-ce que on peut penser que les machines vont vraiment nous dépasser ? Et là, je crois qu'il convient de rappeler que ces techniques d'apprentissage, en réalité, font de la compression d'informations. Vous voyez, par exemple, hein, il y a un logiciel qui fait des photos de grains de beauté et qui, à partir de ça, donc, demande à des médecins d'annoter ces grains de beauté, de donner leur diagnostic. Et puis, à partir de beaucoup de photos annotées, il est capable de faire un diagnostic par analogie à celui que faisaient les médecins. Et là, la machine qui est entraînée par apprentissage obtient des performances qui sont bien meilleures que celles des médecins. Mais est-ce que la machine a créé d'elle-même le concept de maladie ? Non. Eh bien, effectivement, vous voyez, ce sont... des techniques extrêmement puissantes, mais des techniques qui, en fait, sont le reflet de l'homme. Et plus généralement, l'intelligence artificielle, ce sont les hommes qui la créent, et les machines ne sont intelligentes que pour les hommes. Les machines ne sont pas intelligentes pour elles-mêmes. Alors, je voudrais conclure, pour qu'on ait une discussion hein, sur ces choses-là, hein, c'est que, hein, j'ai essayé de vous montrer hein, que c'est, cette crainte que l'on ait d'avoir une machine qui nous dépasse n'est pas fondée. Mais en même temps, avec l'intelligence artificielle, le monde se transforme totalement. Et ces grandes peurs, en réalité, masquent des dangers qui sont liés à cette transformation de la société. Alors, cette transformation de la société, pour la résumer,
je crois qu'il faut essayer de bien comprendre qu'avec le développement des communications, avec le développement des automates, aujourd'hui, les notions qui font le ciment de la société, les notions qui font la trame du tissu social, sont en train de se transformer. Alors, je vais vous donner quelques exemples, ça peut vous sembler abstrait. Mais le premier, c'est l'amitié. Vous savez ce que c'est que l'amitié ? Aristote parle de l'amitié. Mais l'amitié sur les réseaux sociaux, ça existe aussi. Est-ce que c'est la même chose ? On a l'impression que ce n'est pas la même chose. Et en même temps, c'est presque la même chose. C'est une relation d'affinité particulière qui vous conduit à cliquer pour dire que vous êtes amis. Alors en même temps, est-ce que ça n'a pas un effet en retour sur l'amitié au sens ancien ? Le fait que vous ayez des contacts sur les réseaux sociaux fait que vous allez prendre... vous n'allez pas prendre la peine de téléphoner à vos amis. Alors je vais prendre très rapidement d'autres notions. La réputation. Peut-être, pour ceux qui sont francophones, vous vous souvenez de la chanson de Georges Brassens, « La mauvaise réputation ». Ben aujourd'hui, les Chinois sont en train de calculer des scores de réputation. Avec la reconnaissance faciale, dans la rue, ils voient, vous ne traversez pas dans les clous, vous jetez un papier par terre, hop, vous avez un mauvais point. Vous sauvez une vieille dame, hop, vous avez un bon point. Ben ça, c'est la réputation. Alors, est-ce que c'est la même chose que la réputation de Georges Brassens ? Georges Brassens, il disait, c'est ça, c'est parce que je ne me lève pas tous les jours à la bonne heure. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Alors, après, on peut continuer, la confiance. Est-ce que c'est la même chose avec la blockchain et puis ce qu'on faisait dans les marchés où on topait pour signer un contrat ? Ou est-ce que le vote, c'est la même chose, vous savez, avec les likes, que le vote dans une démocratie ? Ou est-ce que la communauté, c'est la même chose aujourd'hui ? La communauté, avant, c'était des gens qui étaient condamnés à vivre ensemble, et c'était un devoir de solidarité entre des pauvres et des riches, entre des vieux et des jeunes, entre des malades et des bien portants. Mais aujourd'hui, la communauté sur Internet, c'est pas ça. Vous êtes philatéliste, et vous avez tous les philatélistes du monde entier avec qui vous allez pouvoir échanger des timbres. C'est formidable, mais ça n'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez, il y a cette transformation majeure de la société. Et je crois que les véritables dangers, pour conclure, ce ne sont pas voir les machines qui nous dépassent, ce ne sont pas de voir des machines qui prennent conscience, ce n'est pas le fait de devenir immortel, encore que ça, ce ne serait pas un vrai danger. Mais ce serait, encore que devenir immortel, imaginez-vous ce que c'est, si vous êtes tout d'un coup immortel et que vous n'avez plus de capteurs, vous n'avez plus rien, et vous avez un temps propre qui est... Pour ceux que ça amuse, j'ai écrit un petit roman là-dessus. Alors, comme je suis universitaire, je ne voulais quand même pas trop le dire aux collègues. Alors, je l'ai écrit sous un faux nom, un nom de plume. C'est Gabriel Neige. Le titre va tout vous dire. Ce matin, maman a été téléchargée. C'est un cauchemar. C'est un jeune homme dont la mère se télécharge et elle le charge de s'occuper de son corps. Donc c'est le fils qui va acheter le robot, mais elle a commandé le robot. Et là, à son effroi, il se rend compte que sa mère, c'est normal, elle change de corps, elle veut un corps jeune, alors elle a trouvé une PPP. Les PPP, c'est des pulpeuses à peau de pêche. Et c'est bon, ça le trouble beaucoup. Enfin, je ne vous rentre pas dans le détail, si vous pouvez consulter. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si ça arrivait, ce serait terrible, mais moi, je n'y crois pas. En revanche, ce qui risque d'arriver, c'est effectivement une transformation majeure des sociétés et des questions éthiques, des questions politiques qui vont se poser et qui commencent déjà à se poser. Et on le voit bien, une désagrégation des souverainetés classiques, une désagrégation des États. Et je crois que ce sont ces questions qu'il faut affronter de façon extrêmement sérieuse. Merci. Monsieur Ganassia, professeur Ganassia, excusez-moi de vous avoir bousculé un peu pendant votre discours. J'aurais pu vous écouter pendant des heures, mais ich steige jetzt ich hoffe, ich verwirre euch nicht, liebe Dolmetscher, weil wir ja auch noch hier auf dem Podium und mit Ihnen da diskutieren wollen, fand ich das wunderbar, dass Sie Ihren wunderbaren Aufsatz so kondensiert vorgetragen haben. Sie haben ursprünglich, Sie sind aus Marseille ursprünglich, was man überhaupt nicht hört, überraschenderweise, haben Ingenieurwesen und Philosophie studiert, lehren heute Informatik an der Sorbonne und an der Université Paris-6. Zusätzlich sind Sie Präsident des Ethikkomitees des CNRS, das ist sowas Ähnliches wie Fraunhofer und Max Planck zusammen in Frankreich.
Verschiedene Thinktanks, wie zum Beispiel dem European Association for Artificial Intelligence und vielen, vielen mehr. Ihre Forschung, Ihr Forschungsfokus liegt auf dem Bereich Maschinenlernen, Ethik im Computerzeitalter und der Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und Computerwissenschaften. Und wie schon erwähnt, ist er nebenbei auch noch Romancier. Monsieur Garmancia ist jemand, der wahrscheinlich nicht schläft, also er ist dem Transhumanismus wahrscheinlich schon sehr nahe, weil er so viel publiziert, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das alles auf die Reihe bekommt. Ich wähle aus. L'âme machine, Edition du Seuil, 1990, vor 30 Jahren. L'intelligence artificielle, Flammarion, 1993, vor 27 Jahren. Les sciences cognitives, Edition Le Pommier, 2006. Voir et pouvoir, qui nous surveille, Edition Le Pommier, 2009. Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, Edition du Seuil, 2017. Le temps des robots, est-il venu? Découvrez comment il transforme déjà notre quotidien. Édition Quai 2017. Voilà, impressionnant. Merci d'être là. Zu seiner Seite, zu Ihrer rechten Seite von Ihnen aus gesehen, Professor Christoph Lüttke, es ist mir eine sehr, sehr große Freude. Ich folge ihm seit langem auf den sozialen Medien, LinkedIn und so weiter. Und jetzt habe ich ihn physisch hier. Dank dem Institut Français, bin sehr, sehr begeistert und er ist aus meiner Sicht der perfekte Contrapart d'Outre-Rhin, um hier sich auszutauschen zu diesen wunderbaren, wichtigen Themen. Er ist in Schöningen geboren, ist genau in der Mitte zwischen Magdeburg und Hannover, habe ich mir auf der Karte angeschaut, auf Google Maps natürlich. Er hat Philosophie und Wirtschaftsinformatik studiert in Braunschweig, Göttingen und Paris. Und jetzt halten Sie sich fest, er hat Forschungs- und Lehraufenthalte in Pittsburgh, an der TU Berlin, an der TU Braunschweig, in San Diego, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Wittenherdecke, LMU, Taipei, Kyoto und Harvard, Birken Klein Center for Internet and Society und ist jetzt seit ein paar Jahren angekommen in der TUM, wo er den Stiftungslehrstuhl für Wirtschaftsethik besetzt und einer der wenigen Professoren ist, die sowohl an der TUM als auch an der LMU gelehrt haben und was ich heute Abend erfahren durfte, auch noch mit einer LMU Professorin verheiratet ist. Also unglaublich, was möglich ist. Für alle Insider, sie sitzt da hinten, dieser tiefe, tiefe Spalt in dieser Stadt zwischen diesen beiden akademischen Welten, der wird hier vereint. Wunderbar. Ja, er ist aber, jetzt kommt's, und das qualifiziert ihn natürlich am allermeisten, Gründungsdirektor des IEAA, dem Institut für Ethik in der Künstlichen Intelligenz, wo alle Aktivitäten der TUM vereint werden, also sprich, man versucht, die Wissenschafts- und Technikdisziplinen mit den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zu verbinden, um KI-basierte Technologien vertrauenswürdig und gesellschaftsfähig zu machen. Ganz nebenbei sei erwähnt, der Vollständigkeit halber, dass Professor Lüttke persönlich an seinem Titel, an seiner Arbeit hängt ein Grant, eine Förderung von Facebook von über 6 Millionen. Die 6 Millionen kommen nicht, wenn sie gehen. Insofern hat er auf der anderen Seite des Satanikebenes erkannt, welche Kompetenz sie haben. Und weil das ja alles nicht reicht, sind sie auch in Ethikkommissionen, zum Beispiel die der Bundesregierung zum autonomen Fahren und der Europäischen Expertenkommission AR for People und ab und zu berät er auch noch den Singapore Economic Development Board. Seine Forschungsschwerpunkte sind allgemeine Wirtschafts- und Unternehmensethik, Ethik der Digitalisierung, Wissenschaftstheorie, Philosophie der Musik. Veröffentlichungen selektiv, Experimental Ethics, Towards an Empirical Moral Philosophy, 2014, Ethik des Wettbewerbs über Konkurrenz und Moral, Beck 2014, Order Ethics or Moral Surplus, What Holds a Society Together. Und das Standardwerk, das ich auch schon verschlingen durfte und einige meiner Kommilitonen, Wirtschaftsethik, Wahlen, München 2018, das auch, wie ich erfahren durfte, demnächst in der Oxford University Press erscheinen wird. Ethik in KI und Robotik, Hansa München, das Sie übrigens, ich habe es hier auch heute Abend auch käuflich erwerben können bei meinen Mitarbeitern und sich sicherlich auch signieren lassen können. Und Ethics of Competition, How a Competitive Society is Good for All. 2019, Elgar.
Ja, ich will nicht unerwähnt lassen, dass Ihr akademischer, einer Ihrer vielen akademischen Lehrer, Professor Karl Hohmann, schon hier war 2016. Er hat hier einen Vortrag gehalten, Krise als Chance, und hat damals, schon früher und immer noch, den Markt als ethisches Mittel definiert und wehrt sich bis heute gegen diese dualistische Entgegensetzung zwischen Moral und Wirtschaft, was ja auch im Hintergrund unserer heutigen Diskussion ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ja, und darum sitze ich hier, ich will das nicht unerwähnt lassen, ich wurde, ja, wie soll ich es, geschubst. Ich sitze gerne hier, es ist mir eine ganz große Ehre, Sie beide interviewen zu dürfen. Ich habe mal VWL studiert, habe meine Promotion für die SAP gemacht und versuche an der LMU angehender Philosoph zu werden. Und die Bälle, die ich heute Abend in die Luft werfe, sollen eben Sie unterhalten, für diese Themen interessieren und Sie aus diesem Kaffeehaus hinaustragen, helfen. Voilà. Bevor es jetzt wirklich losgeht endlich, habe ich mit Herrn Lüttke eine kleine Definitionsfrage noch vorab geklärt, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir die Begrifflichkeiten auch nochmal klären, die zentral ist. Was ist künstliche Intelligenz? Die einfachste und schönste, die ich gefunden habe, ist: alles, was Computer derzeit noch nicht können, ist künstliche Intelligenz. Aber das wäre viel zu einfach, weil wir sind ja schon ein bisschen weiter. Und jetzt darf ich Ihnen die folgende vorlesen, die auch im Buch von Professor Lüttke vorkommt, unter mehreren. Fähigkeit eines Systems, externe Daten konkret zu interpretieren, aus diesen Daten zu lernen, diese zu nutzen, um spezifische Aufgaben durch flexible Anpassung zu erreichen. Bisschen technisch, aber jetzt gehen wir in medias res. Professor Lüttke, wenn Sie vielleicht das Mikro, das dritte Mikro hat mit den Dolmetschern nicht funktioniert, deswegen haben wir nur zwei. Ich will beginnen, indem ich rekurriere auf die, unter anderem auf Ihre Lehr- und Forschungstätigkeiten an der Uni Eichstätt. Stimmen Sie dem Diktum von Professor Garcia und damit auch Wilhelm Leibniz zu, der das immer in 1714 geschrieben hat, dass jedes organische Lebewesen eine göttliche Maschine, ein natürlicher Automat ist und alle künstlichen, menschengemachten Automaten übertreffen. Auf unsere aktuelle Terminologie übersetzt, gibt es diesen kritischen Punkt, dass die künstliche Intelligenz die menschliche nicht übertreffen wird. Das heißt, sie durch sich selbst nicht schneller weiterentwickeln kann als durch den Menschen und bleibt somit die Zukunft des Menschen unvorhersehbar. Also ist diese Singularität, die technologische Singularität, eine Dystopie für Sie oder eine Utopie? Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich steige mit der leichten Frage ein, merke ich. Also ich bin skeptisch generell gegenüber dieser Singularität, aber das haben wir ja gemeinsam, haben wir schon festgestellt. Insofern ist das nicht so spektakulär, darüber zu reden. Und da haben wir Einigkeit. Die Frage war ja, ist es eine Dystopie oder nicht? Philosophen lassen sich ja da gerne, also ungern festnageln auf so generelle Fragen, sondern fragen dann lieber, haben Sie mal ein Beispiel? Also mein philosophischer Lehrer hat auch mal gesagt, das ist die Killerfrage für einen Philosophen, haben Sie mal ein Beispiel? Denn man muss natürlich sehen, was meint man jetzt genau? Ist damit gemeint Singularität tatsächlich im Sinne von allgemeiner künstlicher Intelligenz, starker oder schwacher? Also das Allgemeine wäre die starke künstliche Intelligenz und speziell wäre eben die schwache künstliche Intelligenz. Wenn wir nur über schwache künstliche Intelligenz sprechen, das haben Sie auch schon gesagt, dann gibt es ja schon längst eben eine Menge Anwendungen, die mehr können als Menschen. Das ist im Grunde es ist immer noch aufregend, also man soll das auch nicht kleinreden. Aber wenn man jetzt tatsächlich über starke künstliche Intelligenz redet, ja, natürlich, wenn man davon ausgehen würde, dass es irgendwann in 25 Jahren eine Singularität gibt, wie Ray Kurzweil und andere das meinen, das wäre schon etwas, über das man sich Sorgen machen sollte, in der Tat. Und dann müsste man sich überlegen, was das für uns heute bedeutet. Aber nochmal, also da muss man aber auch irgendwie plausibel machen können, dass das wirklich in diese Richtung gehen könnte. Und ein schöner Test für künstliche Intelligenz sind ja viele Tests vorgeschlagen worden. Der Turing-Test ist der berühmteste.
Aber es gibt noch einen anderen, den, der mal von jemand ganz anderem vorgeschlagen wurde, der gesagt hat, wenn eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, in ein beliebiges Haus zu gehen und sich einen Kaffee zu machen, dann wäre sie im starken Sinne intelligent. Mhm. Und ich sehe noch keine, die das möglich machen kann. Also insofern habe ich da noch keine Sorgen. Okay, aber die Utopie ist nicht ganz ausgeschlossen. Sie meinen, dass ich sagen könnte, das wäre dann auch gut. Ja, also ich bin ja für künstliche Intelligenz mit den richtigen Regeln. Und wenn man sagen würde, ja, diese künstliche Intelligenz würde guten, sinnvollen Regeln folgen, würde mich nicht bedrohen, also lässt mich das machen, was ich will, warum nicht? Aber das müsste dann garantiert sein. Ja. Würden Sie das auch genauso Sheryl Sandberg sagen? Natürlich. Wunderbar. Ja, aber da habe ich keine Sorgen, dass man von den derzeitigen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, dass man da diesen Weg zur Singularität schon sozusagen geht und man jetzt im Grunde aus von diesem Slippery Slope, also von diesem abschüssigen Hang nicht mehr runterkommt. Mhm. Also im Moment und auch für lange Zeit werden wir uns eher mit den Dummen, mit der Dummheit der Systeme rumschlagen müssen, als mit den Sorgen vor irgendeiner künstlichen Intelligenz, die uns ersetzt. Das kommt eigentlich eher aus den Filmen, würde ich sagen. Also Matrix, Terminator und diese Filme, die Sie alle kennen. Vous voulez rajouter quelque chose ou je vous pose la prochaine question? Oui, peut-être deux choses. D'abord, pour dire que les machines peuvent faire dès à présent un certain nombre de tâches mieux que nous. Mais ça fait très longtemps. Depuis que les ordinateurs existent, ils font des multiplications beaucoup mieux que nous les faisons. Et donc, ce n'est pas parce qu'une machine a une performance sur une tâche spécifique qui est meilleure que celle des hommes qu'elle dépasse totalement l'homme. Ensuite, on va se demander, est-ce que les machines sont intelligentes? Alors là, c'est une question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Alors, je voudrais quand même rappeler la définition de l'intelligence artificielle historique. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, parce que moi je ne savais pas ce que c'était que l'intelligence. Je me souviens que j'étais à l'école, à l'époque, on faisait faire passer des tests de QI. Et ça me semblait mystérieux. Et ensuite, j'étais scientifique, j'étais ingénieur, et je me suis dit, on pourrait étudier l'intelligence avec des machines. Et c'est effectivement ce qui m'a fasciné dans cette discipline, ce qui fait d'ailleurs qu'ensuite j'ai travaillé sur les sciences cognitives pour mieux comprendre l'intelligence. Et la définition initiale d'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de dire, c'est une discipline scientifique. Vous savez que c'est une discipline née en 1956. Ce sont des jeunes Américains qui étaient des mathématiciens qui ont décidé d'utiliser ces objets qui étaient nouveaux à l'époque. Vous savez que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. Et ils se disent, ces objets vont nous aider à mieux comprendre l'intelligence. Et comment est-ce qu'on va la comprendre? Eh bien, on va décomposer l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires. Et ensuite, on va simuler ces fonctions cognitives. Et ça a fait faire des progrès énormes dans la compréhension de l'intelligence. Et puis ensuite, ces fonctions cognitives étant simulées, on peut les utiliser pour tout un tas d'applications pratiques. Par exemple, sur votre téléphone portable, vous avez de la reconnaissance de la parole. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a de la reconnaissance faciale. Mais ces applications pratiques ont une incidence énorme dans la vie de tous les jours. Et il y a un exemple qui, je crois, est tout à fait révélateur de cela, c'est le web. Je suppose que vous utilisez tous le web. Le web, vous savez que c'est le couplage de l'Internet, c'est-à-dire des réseaux de télécommunications, avec une notion qui est ce qu'on appelle l'hypertexte. Et l'hypertexte, vous savez que c'est un modèle de mémoire qui a été conçu en 1965, par un philosophe d'ailleurs, qui a suivi des cours d'informatique, et qui imite notre mémoire. Alors il imite, bien sûr, c'est un modèle grossier, mais vous voyez que vous faites de l'intelligence artificielle tous les jours sans le savoir, et l'intelligence artificielle transforme notre monde. Et donc, est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle? Je le dis, il y a des dangers qui sont liés à un abus d'utilisation de l'intelligence artificielle, mais de là à craindre qu'elle s'émancipe toute seule, il y a, je crois, une très grande distance. Et puis, dernier point, souvent, il y a... Alors, je ne sais pas si en allemand, la chose existe, mais en français, en particulier dans les médias, les gens disent une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles. Et vous savez que la différence syntaxique est extrêmement importante, parce que entre un article indéfini et l'article défini, il y a tout un monde.
puisque l'article défini nous dit que c'est une discipline, c'est la discipline qui étudie l'intelligence en la décomposant en fonctions cognitives. Quand on dit l'intelligence artificielle, pardon, quand on dit une intelligence artificielle, on dit qu'on est en train de substantialiser l'intelligence et on suppose que tout d'un coup un objet va s'animer d'intelligence. Et ce n'est pas du tout ça qui se produit. Hein, je répète, ce sont des objets qui sont programmés avec des techniques issues de cette discipline scientifique qu'est l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est vraiment extrêmement important. Alors, en France, il y a un auteur qui est quelqu'un qui est fascinant parce qu'il a un parcours étonnant, parce qu'il a commencé par être médecin, il est urologue. Ensuite, il a monté une société, il a gagné beaucoup d'argent, qui s'appelait Doctissimo, qui donnait des conseils aux gens sur la façon de se soigner. Il a vendu sa société. Entre autres, il a fait des études en France, c'est important, il a fait l'École nationale d'administration, qui est très prestigieux en France. Et puis, bon, il a écrit beaucoup de livres. Et l'un des livres, il appelle ça « La guerre des intelligences ». C'est l'intelligence de l'homme contre l'intelligence des machines. Et il dit que les machines vont avoir un QI plus important que celui de l'homme. Et je crois que ça pose des questions, d'abord parce que le QI, c'est une approche de l'intelligence, mais tout à fait discutable. Et puis, on ne peut pas dire que la machine s'oppose à nous. La machine est faite par nous, et elle est faite pour nous. Et l'intelligence des machines, c'est l'intelligence que nous projetons sur les machines. Ce n'est pas l'intelligence d'un être autonome qui s'opposerait à nous. Très bien. Professor Lüttke, wenn man dann, Sie hatten es schon angesprochen, dass Sie sich indirekt für regelbasierte Ethik aussprechen, heißt es dann tatsächlich für mein laienhaftes Verständnis, dass KI tatsächlich selbst ethisch wird? Oder wenn man es runterbricht auf eins der Themen, die uns sicher in nicht allzu langer Zeit beschäftigen wird, können Maschinen eine bessere Moral entwickeln durch die selbstlernenden Verfahren? Also sind zum Beispiel Kampfroboter Menschen überlegen, nicht nur, weil sie beispielsweise keinen Schmerz oder keine Furcht empfinden, sondern weil sie sich nicht von Gefühlen wie Rache, Willkür, Wut, Hass leiten lassen und damit in kriegerischen Prozessen einfach, Auseinandersetzungen, einfach die Moral sozusagen durch Regeln basiert werden kann, also gelöst werden kann? Also die Frage wäre, wenn man davon ausgeht, Maschinen können eine Moral entwickeln, dann wäre ja die Frage, was ist das Kriterium dafür, dass die besser ist? Das müsste man definieren. Werden mehr Menschen gerettet? Ist es nachhaltiger zum Beispiel? Wird Energie dadurch gespart? Oder geht die gerechter vor? Und wenn man sich jetzt eins davon rausgreift, also wenn man sagt, ist die vielleicht fairer? Und ich will nicht sagen, dass das so sein muss, aber es kann durchaus in vielen Anwendungen so sein, dass ein Mensch, der die gleiche oder die vergleichbare Handlung ausführt, möglicherweise viel voreingenommener ist als die KI. Mhm. Es gibt diese berühmten Studien über Richter, die vor dem Essen anders entscheiden als nach dem Essen. Nicht? Das ist nur ein Beispiel für die viele dieser Studien über Biases, die es gibt. Und dass man, da hätte man, wenn man von dem menschlichen Richter also zum falschen Zeitpunkt abgeurteilt wird, hat man schlechtere Karten. So. Und das ist zumindest etwas, was der Maschine so nicht passieren würde. Und generell auch in anderen Zusammenhängen kann eine Maschine sich auf mehr Daten, auf eine breitere Datengrundlage stützen. Das muss nicht zwingend ein Vorteil sein. Wenn es nach den falschen Regeln programmiert wurde, kann es auch ein Nachteil sein. Aber die Möglichkeit, würde ich sagen, die besteht durchaus. Aber es ist natürlich so, dass die nicht von selber entwickelt wird unbedingt. Also da wäre ich eher skeptisch. Aber ist denn nicht die menschliche Moral voller Widersprüche? Also wie kann denn das funktionieren? Also dieses klassische Beispiel, das mich im Alltag hier beschäftigt, man ist gegen Massentierhaltung, will aber ein günstiges Schnitzel. Das kann man in Regeln ja eigentlich schwer bis gar nicht bis zum Ende ausdeklinieren, und weil sich ja auch dynamisch ändert. Ja, also man kann die Widersprüche schlecht in ein System programmieren. Das wird nicht funktionieren. Also dann muss man sich entscheiden. Und
da sehe ich aber durchaus auch eine Chance darin, um etwas sachlicher und rationaler über bestimmte, auch ethische Fragen diskutieren zu können. Also ich habe mich zum Beispiel mit dem autonomen Fahren, ja, das Sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ja, ausführlich beschäftigt. Und da ist immer die Frage, wie soll das Auto programmiert werden in diesen Dilemmasituationen? Und die Diskussion geht viel um diese berühmten Fragen, sollen wir lieber die Oma oder die zwei Kinder umfahren oder drei Omas und vier Kinder oder eine Oma und vier Hunde. Da gibt es beliebig viele Daten, können Sie auch online bei dieser Seite, die Sie vielleicht kennen, die Moral Machine, können Sie diese Szenarien durchspielen. Also was man nur sagen kann, ist da, man wird sich da irgendwo entscheiden müssen. Wir haben in dieser Ethikkommission für das automatisierte Fahren dann auch gesagt, also wir haben noch nicht gesagt, wie es dann sein muss, aber wir haben gesagt, wie es nicht sein darf. Zumindest, man darf nicht nach persönlichen Kriterien zum Beispiel entscheiden. Das wäre genau wieder diese unfaire Situation, die man reinbringen würde. Ein Algorithmus darf nicht diskriminieren. Vous voulez rajouter quelque chose ? Si c'est possible. Bien sûr. Il y a deux questions qui me semblent très intéressantes. C'est d'abord celle que vous avez évoquée tout à l'heure, des machines qui pourraient être plus éthiques que les hommes au combat. Alors, je ne sais pas si vous savez, peut-être que vous l'avez dit intentionnellement, qu'il y a un roboticien américain qui s'appelle Ron Arkin, qui il y a quelques années, c'était après la guerre en Irak, a expliqué aux États-Unis que les robots allaient être plus éthiques que les soldats humains. Pourquoi ? Parce qu'ils auront des règles qui seront strictes, alors que les soldats humains perdent leur sang-froid. Alors, quelles sont les règles ? Alors, il a dit, c'est simple, on va programmer un superviseur éthique qui va encoder les règles de la guerre juste. Alors, quelles sont les règles de la guerre juste ? Alors, les règles de la guerre juste, vous savez qu'il y a des règles avant le combat, des règles au combat et des règles après le combat. Alors, les règles après le combat, c'est pour la réparation. On va supposer que celles-là, on ne s'en occupe pas. Les règles avant le combat, ce sont les règles d'engagement. Et les règles d'engagement, en particulier, vous avez une règle classique qui est la règle de proportionnalité. La réplique doit être proportionnelle à l'attaque. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Allemagne, mais en France, à chaque fois qu'il y a au Moyen-Orient une attaque de Scud contre Israël et une réplique d'Israël, on dit la réplique d'Israël n'est pas proportionnelle à l'attaque. Et bien sûr, les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'une machine va être plus sage que les hommes pour évaluer cette proportionnalité ? Alors, deuxième chose, les règles au combat. La principale règle au combat, c'est la règle de discrimination entre les civils et les militaires. Est-ce qu'une machine est capable de discriminer entre un civil et un militaire ? Alors peut-être qu'avant, dans les armées classiques, en France, en Allemagne, les gens avec des uniformes, on pouvait distinguer. Mais aujourd'hui, dans les guerres asymétriques, est-ce que vous pouvez distinguer les civils des militaires ? Alors, c'est d'autant plus difficile, nous ne pouvons pas le faire, les machines peuvent encore moins le faire, c'est d'autant plus difficile que cette dernière règle est une règle à exception. Il y a deux exceptions. La première exception, c'est que si vous avez un militaire qui est désarmé, les conventions de Genève font qu'on doit le faire prisonnier. Et donc, c'est un militaire, mais on ne doit pas l'attaquer. De même, si vous avez un civil qui prend part au combat, il est considéré comme un combattant, et à ce moment-là, on peut l'attaquer. Donc vous voyez que ces règles de la guerre juste ne sont pas algorithmisables. Il est extrêmement difficile de les coder. Et ce sont vraiment des problèmes importants. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la contradiction. Alors, effectivement, si nous avons des normes morales, elles sont très souvent en conflit. Et, justement, ça fait partie des travaux que j'ai conduits dans mon équipe pendant un certain nombre d'années, que je continue à conduire, parce que si on essaye de simuler les conflits avec des formalismes logiques comme ceux de l'intelligence artificielle, on risque de se retrouver démunis parce qu'il y a des contradictions et les systèmes logiques sont impuissants face aux contradictions. Alors en réalité, depuis un certain nombre d'années, les spécialistes d'intelligence artificielle utilisent des logiques d'ordre supérieur pour surmonter les contradictions. Et c'est ce que j'ai fait, entre autres en simulant un dilemme logique que je vais vous livrer parce qu'il est lié à la France et l'Allemagne. Vous savez qu'on dit souvent que
que les Français sont menteurs. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais et que les Allemands disent toujours la vérité. Et vous savez qu'il y a eu, après la Révolution française, un philosophe que l'on considère comme français, en réalité il est suisse d'ailleurs, Benjamin Constant. Et il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Les réactions politiques », où il explique que il faut essayer de prendre des positions modérées. C'était un réformateur, en ce sens-là, d'ailleurs, il n'est peut-être pas tout à fait français, mais bon. En tout cas, Benjamin Constant, après la Révolution, dit, oui, il y a des principes, et puis il y a des principes plus spécifiques, puis encore plus spécifiques, et dans chaque situation, on applique le principe le plus spécifique. Et dit, voilà, par exemple, il y a un philosophe allemand qui ne le note pas, qui dit qu'il ne faut jamais mentir. Ça, c'est un principe général. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez chez vous, vous avez caché un ami et que vous avez des gens qui viennent et qui veulent tuer cet ami, est-ce que vous allez leur dire la vérité ? Il dit non. Donc vous voyez, vous devez faire une exception à ce principe et avoir un principe qui vous dit « je ne dois la vérité qu'aux gens qui la méritent ». Le philosophe allemand a lu le texte en français, il s'est reconnu. C'était Emmanuel Kant. Et ça l'a mis en colère, il a écrit un opuscule là-dessus, sur un prétendu droit de mentir, que vous devez tous connaître, bien sûr. Et alors j'ai essayé de modéliser à la fois la position kantienne et la position de Benjamin Constant avec des logiques que l'on obtient en intelligence artificielle. Alors ça pose sur tout un tas de questions, mais je crois des questions intéressantes. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais... Très bien. Ça montre bien la vieille discussion entre les utilitaristes et les déontologues en Europe. Et on a parlé de la guerre. Maintenant, passons à l'amitié, à l'amour, peut-être même. Mot-clé, Anthropomorphisierung, also das Zusprechen menschlicher Eigenschaften. Wenn man sich vorstellt, dass selbst mit Siri wiederholte Interaktionen oder mit anderen KI-Systemen, Freundschaften oder sogar intime Beziehungen, also mit Maschinenbeziehungen aufgebaut werden können, obwohl Roboter gar nicht phänomenologisch gar nicht die Eigenschaften haben, Freundschaft oder Zuneigung zu erfahren, entsteht ja eine einseitige Bindung, die die Technik, KI, dazu nutzen könnte, zu manipulieren. Also ganz konkret, zum Beispiel, wenn der Ehepartner Sex mit einem Roboter hat, ist das Untreue, sind Vergewaltigung, Töten von Sexrobotern in Westworld, das hier kennen Sie vielleicht, unglaublich spannend anzuschauen, moralisch vergleichbar mit Videospielen. Und wenn ja, muss man sanktionieren, kann man sanktionieren, soll man sanktionieren. Und lassen Sie uns die konsequenzialistische Ethik so ein bisschen außer Acht lassen, wir sind hier in Europa, die European Way of Life. Wie kann man mit diesen Themen umgehen, wenn Soldaten aus Afghanistan zurückkommen, GIs, und sich nicht mehr von diesen Systemen, mit denen sie Krieg geführt haben, lösen können, denen den Bezug, also die haben Sehnsucht nach ihrem KI-System, wenn sie wieder zu Hause sind, die sie im Krieg begleitet haben. Das ist tatsächlich so. Wer mag zuerst antworten? Also, dass man eine Beziehung zu anderen Objekten, die keine Menschen sind, entwickelt, das haben wir jetzt noch nichts Neues zu sagen. Also das gibt es in vielen Zusammenhängen, glaube ich. Also schon früher, ich erinnere mich noch an Tamagotchis oder so. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Natürlich, dann kommt immer, und das ist ja auch berechtigt, die Frage, ist das möglicherweise eine Manipulation? Jetzt muss man unterscheiden, ist damit gemeint eine Manipulation von außen, also von jemandem, der bewusst, also ein Hacker, der das eindringt und damit irgendetwas anrichten will. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man sagt, dass das System an sich irgendwie manipuliert den. Das ist aber dann, ja, dann sind wir auch bei der Singularität wieder. Wenn wir über Skynet reden, also Skynet kennen Sie auch sicher alle noch aus den Filmen. Aber also das ist dann wirklich die Science Fiction natürlich. Also, aus meiner Sicht muss man klar sagen, natürlich muss man diese Systeme sicher machen gegen Manipulation von außen. Das ist auch mal das, was die Techniker als erstes sagen. Ethik, das bedeutet, das System sicher zu machen, also technisch sicher zu machen. Und dann sage ich natürlich als Ethiker, das ist jetzt nicht alles, da kommen noch andere Aspekte dazu.
Aber, also das ist ein Punkt. Während dieser andere Punkt, also das müsste wirklich konkreter gezeigt werden, was die negativen Auswirkungen sind, wann die eintreten können, wie wahrscheinlich das ist. Und da bin ich schon auch übrigens beim Konsequenzialismus. Also ich finde nicht, dass der Konsequenzialismus jetzt eine etwas ist, was man in Europa nicht vertreten kann. Also das würde ich bestreiten. Und es ist übrigens auch nicht das gleiche wie Utilitarismus. Je te dis alors. Alors, effectivement, la science-fiction a beaucoup parlé de ça. Vous connaissez ce film, ce très beau film Her, hein, où un homme tombe amoureux d'un agent conversationnel qui utilise l'apprentissage machine et qui le séduit parce qu'il est capable de l'anticiper, d'anticiper ses désirs. Hein. Donc c'est un très beau film de science-fiction. Est-ce que c'est la réalité? Je ne crois pas, hein. On est vraiment très très loin de la réalité. Mais il y a quand même des situations où la question se pose. Et je vais vous en citer deux. La première, ce sont les combats de robots. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les combats de robots? C'est qu'aux États-Unis, il existe des combats qui se font un peu comme les... Alors, je ne sais pas s'il y avait ça en Allemagne, les combats de coq. C'est-à-dire qu'il y a une enceinte, un peu comme une arène, un peu plus petit. Et là, il y a des robots qui sont manipulés et qui combattent entre eux. Et c'est un déchaînement de violence absolument inouï. Il y a des lance-flammes, il y a des scies, il y a des éclairs, et les gens vont au spectacle là. Alors, est-ce que éthiquement, on doit critiquer ça? C'est une question, parce que on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a interdit les combats? On a interdit les combats, d'abord, on n'a pas toujours interdit les combats humains. Pendant longtemps, dans l'Antiquité, on pensait que c'était bon pour l'éducation, parce que ça permettait de donner une conscience de ce qu'est la virilité. Puis ensuite, on a supposé que c'était insupportable, parce qu'il y avait mort d'homme possible. Et puis, les combats d'animaux se sont substitués aux combats d'hommes. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas accepter les combats d'animaux. Alors en France, par exemple, il y a une loi qui existe depuis le 19e qui interdit les combats d'animaux, sauf lorsque ça correspond à des traditions locales. Et c'est vrai qu'il y a toujours des combats d'animaux en France, que ce soit dans le nord de la France ou la tauromachie dans le sud de la France. Alors, je ne sais pas en Allemagne si vous avez tout formé. Non, je ne pense pas, vous ne devez plus en avoir. Hein. Mais donc, c'est... À cause du Cannes. À cause du Cannes. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, bien sûr, on peut se dire les combats d'animaux, c'est pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais parce qu'il y a des souffrances. Alors, on peut se dire, mais pourquoi les robots? On pourrait critiquer les combats de robots parce qu'il n'y a pas de souffrance. On pourrait dire que ce n'est pas très écologique, je vous l'accorde. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et alors, en même temps, moi, je me souviens que quand mon fils avait 13 ans, je travaillais là-dessus, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si mon fils me dit, tiens, papa, je voudrais aller voir les combats de robots. Je ne serais pas très content. Alors, pourquoi? C'est une question ouverte. Justement, du point de vue éthique, on peut discuter de ça. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple, alors qui, lui, est plus perturbant. Vous savez que la pédopornographie est quelque chose de tout à fait choquant. Pendant longtemps, la pédopornographie, les juges la condamnaient au nom de l'image des enfants qui était atteinte, puisqu'on prenait des photos d'enfants. Mais si c'est de la pédopornographie virtuelle, si on fabrique les images de façon artificielle, il n'y a aucun enfant qui est atteint. Et pourtant, on pense que c'est quelque chose qui doit plutôt être condamné. Donc vous voyez, ça pose, tout ça pose un certain nombre de questions qui sont nouvelles et qui sont délicates. Je n'ai pas de réponse, peut-être qu'on pourra en avoir, on discute ensemble, hein, mais c'est pour bien comprendre que le monde dans lequel nous rentrons avec l'intelligence artificielle questionne fondamentalement les principes à l'aide desquels on va pouvoir fonder notre éthique dans le futur. Ich würde auf den einen Aspekt vielleicht noch eingehen, weil es auch an verschiedenen Stellen vorher schon vorkam. Handelt es sich nur um ein Programm, das ausführt, was man ihm vorher beigebracht hat. Und da ist natürlich jetzt etwas Neues. Und ich glaube, das sollte man nochmal auch darauf hinweisen, dass mit der künstlichen Intelligenz ja schon etwas anderes, ja, nicht nur bei der starken, sondern schon bei der schwachen KI, gibt es einen Unterschied zu anderen einfachen Algorithmen oder anderen Programmen. Sondern eine künstliche Intelligenz, also wir reden von maschinellem Lernen, zum Beispiel die Machine Learning Algorithmen,
können schon in einem Sinne, das würde ich sagen, kreativ sein. Also ganz anders als andere Programme. Man kann sich jetzt über den Begriff von Kreativität streiten. Natürlich arbeiten die nach einem Programm. Aber wenn sie Sachen aufrufen, zum Beispiel die Seite, kennen vielleicht einige von den This Person Does Not Exist. This Person Does Not Exist. Das ist eine Seite im Netz. Wer kennt die? Ja, ein paar, aber nicht viele. Rufen Sie die mal auf. Und in dem Moment, wenn Sie die aufrufen, wird ein Gesicht, eine echte Person generiert, die es nicht gibt. Sie sehen den Bild einer realen, einer scheinbar realen Person, die Sie nicht in den meisten Fällen, manchmal geht es nicht so gut, aber in den meisten Fällen, allermeisten Fällen, können Sie die nicht unterscheiden von einer realen, echten Person. Und die ist nur in dem Moment generiert worden. Und da jetzt zu sagen, das ist kein Akt der Kreativität, das finde ich schwierig. Das hat etwas wirklich Kreatives, selbst wenn die einzelnen Schritte alle Ausführen eines Programms sind. Aber das Ergebnis, das ist aus meiner Sicht definitiv ein kreativer Akt gewesen. Okay. Da kann man tatsächlich gleich unterscheiden, glaube ich. Lassen Sie uns aber zu einer ganz aktuellen Thematik kommen. Clearview diese Woche, Credit Scores ist schon ein bisschen älter, das Thema. Deutsche Polizei hat zugegeben, dass sie über 5 Millionen Fotos für Angaben bei dem Thema schon hat, aktuellen Bestand. Und da geht es ja um algorithmisches Profilieren von Menschen durch die KI. Und auf der einen Seite die Bedrohung des totalitären Staates mit allem, was dazugehört. Aber wenn man jetzt versucht, man unter der rosaroten Brille des Positiven, welchen Nutzen können wir aus diesen Technologien ziehen, draufschaut und die Potenziale dieser Software sieht, dass eben auf jede einzelne Person individuell zugeschnitten Lösungen, Nutzen generiert werden kann und diese errechnete Personalisierung dann aber trotzdem natürlich gesellschaftlich gesehen Werte in Frage stellt. Das klang ja auch in Ihrer Anrede schon an, dass praktisch der politische und kulturelle Pluralismus dadurch im Endeffekt sehr gefährdet wird oder ist es zu weit hergegriffen. Und wenn man das tatsächlich so weit zu Ende denkt, Sie sind in mehreren Ethikkommissionen beide, was braucht man dann tatsächlich als Instanz, um diese vielleicht tatsächlich als Bedrohung wahrgenommenen Technologien auch zu reglementieren? Also auf einer Staaten- oder Mehrstaatenebene. Oui, je vous remercie. Vous avez abordé des questions extrêmement importantes aujourd'hui. Vous avez parlé, entre autres, du profilage et de la recommandation. Il faut savoir que le terme profilage fait référence à la psychologie criminelle. Au départ, il s'agissait de techniques utilisées pour essayer de déterminer dans les interrogatoires quel était le caractère de la personne, quelles étaient ses faiblesses, pour essayer de le faire craquer. Ça a été repris ensuite par les grands acteurs de l'Internet qui voulaient essayer de rentabiliser le gratuit. Vous savez que le grand problème, moi quand j'étais enfant, on disait que tout travail mérite salaire. Mais aujourd'hui, dans l'Internet, on pense qu'on peut tout avoir gratuitement. Et je pense que c'est... Et on est tous comme ça, bien sûr. Vous savez, il y a un technologue américain qui s'appelle Jaron Lanier, quand il parle du gratuit, il dit « c'est comme le chant des sirènes ». C'est-à-dire que vous êtes irrésistiblement attiré. Et bien sûr, comme avec les sirènes, une fois qu'on se rapproche de ce chant si suave, eh bien, on est fait prisonnier. Alors c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que ces grands acteurs de l'Internet se sont dit comment on va faire pour rentabiliser des choses qui sont gratuites. Ils ne savaient pas. Ils se sont dit on va faire de la publicité. Mais la publicité au début, ça ne marchait pas très bien. C'est peut-être pour ceux qui sont plus âgés, vous savez que les premiers moteurs de recherche, c'était une espèce de bazar incroyable avec des couleurs criardes, on était perdu. Et alors après, un acteur nouveau en 98, Google, s'est dit mais on va faire de la publicité très discrète. On ne la verra pas. Il y aura juste une ou deux publicités. Mais bien sûr, pour que ce soit rentable, il fallait que la publicité soit très chère. Pour qu'elle soit très chère, il faut qu'elle s'adresse à chacun. Et alors ça, on s'est dit, ça va être simple. On va prendre toutes les requêtes, toutes les informations qui sont données par les individus sur
leur désir, sur leur vie, sur ce qu'ils font, et on va utiliser ça pour cibler la publicité. Et c'est ça le profilage. On essaie de faire avec des techniques d'apprentissage. Ce qu'on appelle les masses de données, hein, ou big data en anglais, c'est lié à ces besoins des grands acteurs de l'Internet. Alors effectivement, ça a des effets tout à fait dangereux. On a parlé de la police, bien sûr, hein, mais ça a des effets économiques, terrifiants. Ça a des effets sur notre vie privée, et puis ça a des effets en retour. Et je voudrais parler de la recommandation. Mais la recommandation, a priori, vous dites, c'est bien, parce que nous sommes perdus devant l'ensemble des possibilités de consommation. Par exemple, on voudrait voir un film, et puis on ne sait pas quoi. Et heureusement, le système, c'est ce qu'on aime, et va nous proposer ce qu'on aime. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est une question. Moi, je pense que c'est un peu dangereux, parce que ça veut dire que ça va nous conduire à consommer plus. Pour consommer plus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre. Mais justement, avant, vous aviez des gens qui vous recommandaient des choses dans le domaine culturel qui vous surprenaient. Eh bien, aujourd'hui, on vous fait l'inverse. Pour reprendre le terme d'un de ces acteurs de l'Internet, il dit... On essaye de trouver quelque chose qui se trouve proche de la zone de confort du consommateur. Vous voyez qu'on vend les moyens culturels comme des savonnettes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement politique. Alors, ce n'est pas dramatique, mais c'est un appauvrissement considérable. Ça, c'est triste. Alors, le troisième point, ce sont les comités d'éthique. Alors, ça, c'est une question plus délicate. On sent bien qu'il va falloir essayer d'émettre des règles. Il faut faire attention. Mais comment faire? Alors, vous avez eu beaucoup d'acteurs de l'Internet qui ont mis en place des comités d'éthique, des universités, des gouvernements. Hein, mais bien sûr, quelquefois, ils édictent des normes qui sont assez rigides. Et quelquefois, bien sûr, c'est un tout petit peu contraignant. Et d'autre part, indépendamment de ces contraignants, ça n'est pas capable, si on se fait à un moment du développement de la technologie, la technologie évolue. Et donc, ils ne sont pas capables d'approcher ce qui va arriver de nouveau. Donc, je crois que c'est vraiment une question ouverte, hein, et une question qui nous soucie beaucoup, en tout cas en France, c'est de savoir comment faire pour aborder les questions éthiques à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle d'une façon qui soit vraiment très appréhender les choses. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour vous donner un exemple précis, et je voudrais vous laisser la parole. Also das Problem sind eigentlich gar nicht so sehr die Regeln. Wir haben eigentlich in den letzten, so etwa maximal zwei Jahren eine ganze Reihe von Initiativen gehabt, die ethische Prinzipien für künstliche Intelligenz vorgeschlagen haben, auf der europäischen Ebene, die Heidelberg Expert Group, auch dann die AI for People, mit denen ich beteiligt war. Wir haben die fürs autonome Fahren gesehen. Wir haben aber auch ähnliche zum Beispiel in den USA gehabt. Wir haben auch in China, also letztes Jahr im Mai, die Beijing Principles on AI veröffentlicht worden. Und auch übrigens von chinesischen Firmen, von Huawei zum Beispiel, haben sie ein Responsible AI White Paper gemacht im letzten September. Was übrigens darauf hinweist, dass es weltweit ein Thema ist. Also auch Ethik für KI ist nicht nur etwas, was in Europa gemacht wird oder womöglich in Deutschland, sondern das ist wirklich ein weltweit großes Interesse daran. Die Schwierigkeit, die jetzt sich eigentlich stellt, also ist, wie transformieren wir das ein paar Ebenen runter auf eine Ebene, die auch anwendbar ist. Denn da diese relativ abstrakten Prinzipien, die es im Moment gibt, diese helfen uns noch nicht viel. Zwar als Richtschnur ganz sinnvoll, aber wir brauchen jetzt mehr. Das ist zum Beispiel etwas, was wir an meinem Institut jetzt machen wollen, dass wir in unseren Forschergruppen arbeiten immer Technikwissenschaftler mit Sozialwissenschaftlern, Ethikern und Philosophen zusammen in den Projekten, um an den tatsächlichen Technologien, ob das in der Medizin ist, Automobiltechnologie, in der Logistik und in der ganzen Reihe von anderen, um dort tatsächlich anwendbare Regeln für diese Systeme zu entwickeln. Denn das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Und ich glaube, da müsste es mehr Forschung tatsächlich in diese Richtung geben, die dann auch zu einem, nicht nur reinen Forschungsoutput, sondern zu einem, also einem Output sozusagen von Richtlinien und Regeln führt. Ich würde jetzt die letzte Frage auf dem Podium stellen und Sie schauen schon mit den Füßen hoffentlich.
Ich bewege mich jetzt ein bisschen weg von, von der ganz operativen Technikperspektive nochmal zum Menschentraum des ewigen Lebens. Der ist ja eigentlich relativ spät entstanden, wenn man die Helden von Homer sich anschaut, die haben diese Kategorie, diese Dimension noch nicht wirklich als erstrebenswert oder haben es überhaupt gar nicht thematisiert. Indianische Völker würden mit Freddie Mercury sagen, who wants to live forever? Wenn überhaupt, hoffte man auf ein Fortleben der Seele, entweder indem sie zurückkehrt in das große Ganze der Natur oder dass man eben woanders wiedergeboren wird. Frage, ist die Entfremdung vom natürlichen Leben, die wir mit unseren Gesellschaften durchmachen aktuell, eigentlich erst der Nährboden gewesen für diese transhumanistische Idee des ewigen Lebens? Vous avez la priorité. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce désir de vie éternelle? Je crois que c'est la condition humaine qui est une condition intermédiaire. Le désir de vie éternelle n'est pas nouveau. Bah, quand même, le souhait de l'immortalité date de la plus haute antiquité. Hein. Et justement, hein, les dieux étaient considérés comme un statut différent parce qu'ils étaient éternels. Hein. Non, je crois que c'est une très vieille idée. Ce qui est nouveau, c'est qu'on pense aujourd'hui que le savoir humain nous permet de devenir éternel. Alors, moi, j'avais une interprétation, justement, dans le livre que j'ai écrit sur la singularité technologique, que je vais vous livrer, c'est qu'il y a aujourd'hui, chez ces différentes compagnies, ces différentes sociétés, ou ces différents groupes, il y a un certain nombre d'instituts qui nous parlent de transhumanisme, qui nous disent qu'on va arriver à l'éternité, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'analogue à des mouvements spirituels qui ont existé il y a très longtemps, en particulier au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, qu'on appelait des gnoses. Alors vous savez ce que c'est que les gnoses, hein, ce sont des mouvements spirituels qui pensent que le monde est mal fait, qu'en réalité, il a été créé par un faux dieu, par un démiurge qui a fait plein d'erreurs. Et qu'il convient, avec la connaissance, c'est pour ça que ça s'appelle les gnoses, de le réparer. Et que cette réparation va se faire d'un coup, bref, comme c'est un changement catastrophique. Et on trouve un peu la même chose aujourd'hui chez ces mouvements, c'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, le monde n'est pas très bien fait. Oui, par exemple, Google a financé une société qui s'appelle Calico, qui emploie beaucoup de scientifiques, mais qui a derrière cette activité tout à fait rationnelle le but de découvrir les gènes du vieillissement, avec l'idée qu'on pourrait les réparer, et comme ça on pourrait devenir immortel. Donc ça c'est la première chose, donc le savoir permettrait de réparer le monde. Et puis ensuite, cette idée que ça va se faire d'un seul coup, ça ressemble à ce qu'on appelait les millénarismes. La singularité technologique est l'exemple de ça, oui, c'est ce point de rupture à partir duquel tout bascule. Alors, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais je ne vais pas le faire. Ce sont des considérations théologiques. Alors, j'avais lu des livres là-dessus, hein, je m'y étais intéressé, mais je l'ai écrit, hein, mais en même temps, j'étais quand même pas totalement sûr de moi. Et bon, il se trouve que j'ai échangé avec un certain nombre de théologiens et ils avaient l'air assez convaincus. Et par exemple, hier, j'étais à Rome, pour ne rien vous cacher, à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, justement où j'ai rencontré un certain nombre d'ecclésiastiques et donc qui justement m'ont dit que cette hypothèse était tout à fait féconde. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des gnoses, parce que ce sont des mouvements qui sont apparus à une époque très différente, mais il y a une analogie entre ces mouvements contemporains et des mouvements extrêmement anciens. Ja, was kann ich, da kann ich gar nicht mehr viel dazu ergänzen. Ich würde nur sagen, dass, glaube ich, man unterscheiden sollte zwischen der Idee, ewig zu leben und sich durch Technologie sozusagen eine Sicherheitskopie zu verschaffen. Das ist manchmal ja so, die Idee kommt auch in diversen Filmen mal vor, so ich mache mir eine Sicherheitskopie und falls irgendwas schief geht, dann lade ich die wieder runter. Aber wenn man das ernst nimmt mit der künstlichen Intelligenz, dann
Und ich glaube, das wird heute auch immer deutlicher sichtbar, das kann eine ganz andere Art von Intelligenz sein. Sie haben auch schon darauf hingewiesen eigentlich. Diese ursprüngliche Idee, dass künstliche Intelligenz, die auch in den Definitionen drin war ursprünglich, dass die künstliche Intelligenz so nah wie möglich an der menschlichen sein sollte, das ist möglicherweise ein nicht so fruchtbarer Weg, sondern das ist eine, wenn, dann wird es eine ganz andere Art von Intelligenz, die mir wiederum allerdings dann auch nicht zum ewigen Leben verhilft, allerdings mir sehr viel helfen kann und vielleicht mich länger auch leben lassen kann. Aber auf die Sicherheitskopie können wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Wunderbar. So, wer traut sich, die erste Frage zu stellen? Voilà, Monsieur, ein Kommilitone, ein Ex-Kommilitone. Wunderbar. Also zunächst mal vielen Dank für die interessante Diskussion. Es wurde vorher schon mal Descartes angesprochen. Vom Descartes gibt es einen berühmten Ausspruch, cogito ergo sum. Das heißt, ich denke, also bin ich, damit wird Existenz definiert. Und es ging ja vorher auch um die Frage mit Kampfrobotern, dass es schade ist, wenn irgendwie so Kampfroboter gegeneinander losgehen. Aber momentan betrifft es eher so ein ungutes Gefühl und man hat irgendwie so einen Anthropomorphismus. Das heißt, man vermenschlicht die Gegenstände, aber wenn man jetzt eine KI hat, die eine wirkliche Intelligenz entwickelt, also wirklich ein Bewusstsein, ab wann muss man der KI mehr als den kulturellen, technischen oder gegenständlichen Wert einräumen und ab wann muss man der irgendwie Sonderrechte, also ähnlich wie mit Menschen oder Tieren, bei Werte einräumt, zugestehen? Also, danke. Ich würde sagen, dieser Moment ist noch fern. Es gab immer mal auch schon Diskussionen darüber, dass dieser Roboter Sophia, das Staatsbürgerrecht von Saudi-Arabien gegeben. Nicht? Das war natürlich mehr so ein PR-Gag vor 2 Jahren, glaube ich. Also ich sehe das nicht in absehbarer Zeit auf uns zukommen, diese Frage. Ich würde sagen, das ist aus philosophischer Sicht, das ist sicher eine interessante Diskussion. Und dann auch zu überlegen, ich meine, wir diskutieren ja auch darüber sowieso und was machen wir mit Menschenaffen, eine andere Art von Intelligenz, nicht auf der gleichen Stufe, aber auch intelligent in gewisser Weise und denen geben wir auch mehr Rechte als anderen. Insofern kann man auch darüber reden, wenn tatsächlich eine KI in irgendeine bestimmte Stufe erreicht hätte, dass man der möglicherweise andere Rechte zugestehen müsste. Aber ich sehe das im Moment noch nicht und halte diese Diskussion im Moment noch für ein bisschen verfrüht. Alors, première chose, puisqu'on a évoqué Sophia, je crois qu'il faut rappeler que c'est une supercherie, une double supercherie. C'est d'abord, ça n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la mécatronique, c'est-à-dire qu'on simule le mouvement des muscles du visage, mais le discours que Sophia a prononcé devant l'Assemblée des Nations Unies était enregistré. Donc, ça n'est absolument pas l'objet qui nous préoccupe. Deuxième supercherie, c'est qu'on lui donne la nationalité, et certains ont dit la citoyenneté saoudienne. Mais qu'est-ce que c'est que la citoyenneté ? Alors, dans nos démocraties, nous pensons que c'est voter, participer au débat public, c'est-à-dire émettre une volonté. Mais en Arabie saoudite, ça n'est pas ça, voter. C'est faire acte d'allégeance au souverain. Alors qu'un robot fasse acte d'allégeance au souverain, bien sûr, ça paraît évident. Mais oui, c'est un malentendu sur le sens des mots. Alors maintenant, je vais revenir sur la notion de conscience. Parce que, bien sûr, elle est très troublante. Parce qu'on se dit, à un moment donné, ces machines vont peut-être être comme nous. Mais je crois que là, il faut bien comprendre que le terme conscience a plusieurs sens. Et que je ne saurais tous les épuiser. Mais il y en a au moins 3. Il y a une conscience qui est celle que vous attribuez à la chose, par animisme, vous voyez, vous projetez sur l'objet quelque chose. Par exemple, vous avez des petits robots aspirateurs, je ne sais pas si vous en avez eu, on a un sentiment d'animalité, on lui projette quelque chose. Est-ce qu'il a vraiment une conscience ? On n'en sait rien.
Mais c'est une forme de conscience, c'est la première. Elle est très utile, et les machines en disposent, bien sûr. Et ça nous aide, d'ailleurs, les spécialistes d'interface homme-machine utilisent ces techniques pour mieux programmer ces machines. Il y a une deuxième science de conscience, qui est la conscience au sens réfléchi. Conscience, c'est se voir soi-même en train d'agir, c'est justement la conscience morale, c'est ça. C'est se dire, mais quelles sont les conséquences de nos actes? Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'une machine, un jour, soit capable d'avoir cette pensée réfléchie? Moi, je crois que oui. Rien ne s'y oppose. Mais il y a ensuite un troisième sens. C'est la conscience au sens où on perçoit des émotions. On les perçoit, on ne mime pas la perception des émotions. On le perçoit vraiment. On souffre. On a de la douleur. Alors là, est-ce que les machines peuvent avoir cette conscience? On n'en sait rien et on n'en saura jamais rien. Et qui plus est, même si c'était vrai, cette conscience, elle serait extrêmement éloignée de la nôtre, parce qu'on peut penser que notre conscience, c'est-à-dire notre souffrance, est liée à notre condition biologique. Or, celle de la machine, la condition matérielle de la machine est différente. Et nous, par exemple, on n'a pas arrêté de boire de l'eau, parce que c'est essentiel pour nous, hommes. Mais la machine, elle devrait détester l'eau, parce que c'est le pire des poisons qui puisse exister. Donc, vous voyez, je crois qu'en dissociant ces différents aspects, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très éloignées, et puis des choses, effectivement, qui peuvent avoir un sens aujourd'hui. Von Ihnen aus rechts in der Ecke, die nächste Frage. Ah ja, ich habe zwei Fragen, eine auf Deutsch und eine auf Französisch. Eine auf Deutsch ist, wie die Intelligenz moralisch sein kann. Das ist vielleicht ganz möglich in einem Monotheismus. Aber wenn man über einen Monotheismus einsteigt, wie versteht man die Moral? Und zweite, also ich meine, was recht, was falsch, was gut, was schlecht. Mit Monotheismus kann man einfach definieren. Wenn man mit nicht bloß ein Monotheismus konfrontiert ist, aber mit zwei Monotheismus in einer geografischen Fläche, die zum Beispiel Frankreich oder Deutschland, aber Frankreich und Deutschland sind nicht bloß europäische, so ein Kontinent, aber Welt verbunden. Und zweite, es bedeutet, dass es Hinduismus, es gibt auch Konfuzismus und es gibt Anonymous von Frage. Wie stellen Sie, wie beschreiben Sie diese Ethik? Auf Französisch. Est-ce que l'intelligence artificielle n'est-elle pas un petit peu trop quelque chose et n'était-ce pas seulement de l'apprentissage artificiel? C'est-à-dire qu'un algorithme qui apprend une somme fantastique de choses, une somme énorme de choses, avec des mathématiciens extrêmement, extrêmement forts, n'est-ce pas en fait simplement des petites personnes de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans qui n'apprennent que quelque chose, c'est-à-dire soit le langage, soit le déplacement, par exemple, de marcher. Qu'est-ce que le fait de marcher pour un robot? Qu'est-ce que plusieurs choses qu'un enfant apprend entre l'âge de 2 ans et l'âge de 6 ans? Et j'ai proposé le langage, j'ai proposé le déplacement. Bien sûr, le déplacement, c'est quelque chose que l'on trouve avec Audi dans les capteurs qui permettent de garer une voiture, etc. Que pourriez-vous dire là-dessus? Dann sage ich erst was zu der ersten Frage. Also ich glaube, das Missverständnis, was man hat, wenn man über Ethik spricht, hier in diesen Zusammenhängen, ist immer, dass wenn man es mit einer Religion in Verbindung bringt oder jetzt mit den 10 Geboten zum Beispiel, denn das ist eine Ethik in einem sehr umfassenden Sinne und eine Ethik, die dann auch für das Alltagsleben gelten soll.
Von solchen Systemen sprechen wir ja gar nicht, sondern wir sprechen hier von Systemen, schwache KI, das heißt, die solche, die spezifische Aufgaben ausführen können sollen. Und die brauchen gewisse Regeln dafür. Das sind aber nicht Regeln in diesem allgemeinen Sinn, also jedenfalls nicht diesem Umfassen, sondern es geht um sehr viel Spezifische beim autonomen Fahren, zum Beispiel eben fair auswählen, nicht diskriminieren. Gut, und da kann man jetzt sagen, also eine Regel, eine alte ethische Regel, die also sagt, die in die Richtung geht einer fairen Auswahl, jetzt mal allgemein gesprochen, Gerechtigkeit. Das ist etwas, das unabhängig von Monotheismus oder von welcher Religion auch immer oder von einer philosophischen Tradition natürlich, das finden Sie auch bei Aristoteles oder bei anderen. Also da sehe ich nicht so die Bedenken. Das ist der eine Punkt, dass, also ich glaube, da muss man nicht auf einen monotheistischen Kontext referieren. Und das andere ist, dass man auch, ich habe vorhin erwähnt, diese verschiedenen Prinzipien für KI und auch die chinesischen etwa. Wir haben die bei uns mal verglichen, diese verschiedenen Kataloge für KI. Und da ist eine erstaunliche Übereinstimmung. Ja, also die Unterschiede zwischen diesen chinesischen Prinzipien, zwischen europäischen und amerikanischen, sind nicht sehr groß. So ungefähr kann man sagen, 80% ist Übereinstimmung und in ein paar Gebieten gibt es ein paar Unterschiede. Aber selbst da in diesen Bereichen sind die Unterschiede, auch die kulturellen Unterschiede, nicht so gewaltig. Alors, il y a deux types de questions. Les premières, c'est sur la question de l'universalité de la morale, hein. Alors, est-ce que c'est universel? La morale, au départ, c'est lié étymologiquement aux mœurs, hein, et donc aux habitudes de vie des hommes en société. Donc, effectivement, si on passe d'une société à une autre, c'est différent, hein. Et d'ailleurs, la morale, au départ, se fonde sur la tradition, hein. Un ami à moi, qui est un philosophe allemand, Heinz Wissmann, que certains d'entre vous connaissent peut-être, disent que, justement, hein, en grec, éthique, ça vient de ethos, et ethos, ça vient d'étable. Étable, c'est l'endroit où on ramène les bêtes le soir. Donc, c'est effectivement un des fondements de l'éthique. Mais il y en a bien d'autres. Et justement, par exemple, à partir de l'âge moderne, on a essayé d'avoir des éthiques de principe, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, vous voyez que ce sont des questions ouvertes. Alors, il est vrai que des études ont été faites et que on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des universaux éthiques. C'est-à-dire que même si les morales étaient très différentes, on a quand même un tronc commun de la morale. Et d'ailleurs, par exemple, dans la tradition juive, vous savez qu'il y a des lois universelles qui valent pour tous les hommes. Ce sont les 10 commandements. Et puis ensuite, il y a des lois qui valent pour les gens qui vivent autour des juifs. Et puis ensuite, il y a les lois qui vivent pour les juifs eux-mêmes. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est à géométrie variable, mais en même temps, avec quand même un tronc commun qui est extrêmement important. Et c'est cela que... Alors, je voulais juste ajouter une petite chose sur les différences avec les Asiatiques. Vous savez que beaucoup de pays ont des religions animistes. Et justement, l'attitude vis-à-vis des robots est très différente de la nôtre. Pour les Japonais, par exemple, le robot n'est absolument pas inquiétant. Chez nous, il est inquiétant parce que le fait de créer un objet nous place à la place du créateur. Et donc, il y a une forme de transgression liée au robot. Mais ce n'est pas du tout le cas dans ces différents pays. Donc, effectivement, oui, il y a des différences, mais il y a quand même un tronc commun qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Alors, je voulais, sur la deuxième question, vous dites, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas uniquement de l'apprentissage artificiel? Alors, du point de vue technique, non, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'autres choses qui ont été développées en intelligence artificielle, avec du raisonnement logique, avec tout un tas de choses. Vous avez parlé la construction du monde par un enfant. Beaucoup de travaux ont été développés, par exemple, avec des robots, pour essayer d'utiliser ce qu'on appelle la psychologie développementale, et pour essayer de simuler ça avec des techniques d'intelligence artificielle. Je me souviens que justement, j'étais venu ici à Munich comme expert pour un projet européen qui s'appelait Xpero, avec des roboticiens, où ils faisaient faire à des robots des expériences comme à des enfants.
Et ils apprenaient à partir de l'expérimentation qu'ils faisaient sur le monde. Donc effectivement, hein, ça existe, mais c'est quelque chose de difficile. Alors, sur l'apprentissage artificiel, je voudrais rajouter un point quand même important. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, l'apprentissage, hein, c'est essentiellement de la contraction d'informations. Et cette contraction d'information, derrière, il y a de l'information humaine. Et il faut bien comprendre qu'il y a aujourd'hui dans le monde un nouveau type de travailleur. Alors, il y a un sociologue en France qui appelle ça les travailleurs du clic. Vous savez qu'en Inde, en Afrique, il y a des gens qui sont très mal payés, hein, qui travaillent sur ce qu'on appelle AMT. Alors ça veut dire en anglais Amazon Mechanical Turk. Et ils font des tâches extrêmement élémentaires, extrêmement fastidieuses. Ils reconnaissent des images, ils reconnaissent des caractères, ils repèrent des mots dans les textes. Et ça va être utilisé par les systèmes d'apprentissage machine pour effectivement construire de nouveaux logiciels. Et ça, on voit que c'est une forme, hein, d'exploitation de l'homme qui est nouvelle. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement de l'apprentissage, mais l'apprentissage, il joue une part, mais derrière l'apprentissage, il y a surtout de l'intelligence humaine. Sehr viel darüber gesprochen, kann es gelingen, künstliche Intelligenz herzustellen, was immer künstliche Intelligenz sein mag. Möglicherweise werden wir nie erfahren, ob wir künstliche Intelligenz hergestellt haben. Ich erinnere an die Frage von Thomas Nagel, wie ist es, sich wie eine Fledermaus zu fühlen? Vielleicht werden wir, obwohl wir künstliche Intelligenz hergestellt haben, es nie sagen können, weil wir uns nicht in die Situation der künstlichen Intelligenz versetzen können. Aber viel interessanter wie die Frage, kann es gelingen und können wir feststellen, fände ich die Frage, die Sie ganz am Anfang rhetorisch gestellt haben, was drängt uns eigentlich dazu, es zu wollen? Sie haben diese Frage rhetorisch gestellt, ich hätte gerne eine Antwort. Warum wollen wir in Zeiten, wo wir echte Menschen umbringen, in Kriegen oder durch andere Verbrechen, warum wollen wir unbedingt künstliche Menschen, künstliche Intelligenz herstellen? Warum? Alors, première chose, votre référence à l'article, le fameux article, hein, de Thomas Nagel, hein, What is it like to be a bat? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris, effectivement, hein, est tout à fait pertinent dans ce contexte. Hein. Qu'est-ce que ça nous ferait, qu'est-ce que c'est que la conscience d'une chauve-souris pour nous? Et de même, hein, la conscience de ce qu'est un ordinateur est extrêmement difficile à concevoir, hein, et donc de ce point de vue-là, ça nous est très, très étranger. Et bien sûr, vous avez raison, hein, c'est que quelles sont les motivations pour faire de l'intelligence artificielle? Mais je crois que ces motivations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont d'abord de mieux comprendre notre intelligence. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. C'est une quête scientifique. Et mieux comprendre, vous voyez, en simulant les choses. Alors, je vais donner des exemples. Hein. Notre intelligence, les fonctions cognitives, c'est la perception, mieux comprendre les fonctions perceptives. Ensuite, mieux comprendre la mémoire, comment est-ce qu'on représente les informations. Mieux comprendre la façon dont on exploite les informations. Mieux comprendre la façon dont on raisonne en simulant cela. Et j'ai évoqué Leibniz. Vous savez que Leibniz lui-même, il pensait que la pensée était le résultat d'un calcul, et il a essayé d'arithmétiser la logique, et ensuite il a essayé de construire une machine, il n'y est pas arrivé, mais qui simule la logique, hein, pour simuler le raisonnement. Donc vous voyez, c'est un défi intellectuel qui, je crois, est passionnant. Donc de ce point de vue-là, ça justifie, me semble-t-il, notre activité. Mais en retour, hein, nous avons, avec ces différentes fonctions cognitives qui sont simulées, un certain nombre de progrès, et de progrès concrets qui sont extrêmement utiles. L'intelligence artificielle, c'est quand même, j'ai parlé du web tout à l'heure, le web, ça a plein de défauts, mais ça a quand même une qualité extraordinaire, c'est que nous vivons tous aujourd'hui dans une immense bibliothèque qui est ouverte jour et nuit. C'est extraordinaire. Si on se replace à notre enfance, et puis aux époques antérieures, où l'accès à la connaissance était extrêmement difficile.
De même, en médecine, on peut espérer faire des progrès considérables. Et il y a beaucoup de domaines où on voit que l'intelligence artificielle est en train de changer la nature de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un substitut à l'intelligence humaine, mais c'est un accompagnement, je pense qu'on l'a, on l'a dit un tout petit peu. Je vais prendre un exemple. Vous savez que dans le domaine scientifique, il y a une transformation, une révolution silencieuse qui s'opère depuis un certain nombre d'années. Vous savez, le schéma, pour la science, il y a eu plusieurs étapes. Dans l'Antiquité, les scientifiques collationnaient tout un tas d'observations et à partir de ça, essayaient de construire une théorie générale. C'est ce que faisait Aristote, par exemple. Et puis ensuite, à partir de l'âge moderne, on a conduit des expériences. Ça veut dire quoi ? Ça vient de expérience, étymologiquement, ça vient de péril. C'est-à-dire qu'on essaye de valider une théorie en la mettant en danger, en la confrontant au réel. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on part d'une hypothèse, on construit un dispositif matériel et on confronte les observations recueillies par ce dispositif matériel à ce qu'anticipe la théorie. Et bien aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce schéma-là, qui est le schéma expérimental classique, qui a commencé avec Galilée, qui s'est développé ensuite avec Vézal, avec tout un tas de gens, ben ce schéma-là est mis en cause. Pourquoi ? Parce qu'on recueille des données de façon systématique et ensuite on procède à des expérimentations sur les données sans avoir d'hypothèse a priori. Plus exactement, on a des champs d'hypothèses, mais on explore de façon systématiquement cela. Donc vous voyez, tout ça, je crois, ce sont des défis, ce sont des transformations qui, moi, je trouve, sont enthousiasmantes. Die vorletzte Frage des heutigen Abends, zumindest im offiziellen Teil. Ich würde gerne nochmal auf die KI-Kataloge zurückkommen, die Sie angesprochen haben. Sie haben immer wieder angedeutet, das ist nicht moralisch und das ist auf so einer Oberebene, aber ich würde es gerne konkreter wissen. Also Sie haben das Beispiel mit den Fotos gebracht, wo KI kreativ wird. Es gibt inzwischen Malerroboter, die gut gefüttert über zunehmende Kompetenz kreative Kompetenz verfügen. Es gibt die ersten poetischen Gehversuche und es gab den Chatbot von Microsoft, der in Twitter geschult wurde von der Twitter-Community und innerhalb von 23 Stunden zu einem bissigen, bösartigen Rassisten mutiert ist. Steht irgendwo in diesen Katalogen, von wem KI lernen darf und wie das definiert wird? Ja, das wäre dann genau die Frage. Das betrifft die Frage Trainingsdaten. Und auch wenn ich nach der Ethik für KI gefragt werde, dann heißt es häufig nämlich erstmal, wie sieht das Programm aus, wie soll man das Programm schreiben? Aber das ist gar nicht die Frage. Eigentlich dieses Programm bei Machine Learning, das Programm ist relativ kurz und man sieht dem auch nicht unbedingt an, was es macht. Das Interessantere sind die Trainingsdaten häufig und mit welchen Trainingsdaten füttere ich sie. Und genau darum drehen sich viele ethische Fragen, nämlich mit diesen Technologien. Wie wähle ich diese Daten aus? Und von den Technikern kommt dann häufig, naja, das sind halt die Daten, die da sind. Wir haben keine anderen. Und es gibt dieses berühmte Beispiel, kennen Sie sicherlich, vor 3 Jahren, ist auch schon wieder 3 Jahre her, dass diese Amazon-Training-Software, es war nur ein Training, es war tatsächlich nicht implementiert, aber die hat, sollte Jobangebote liefern und hat Frauen systematisch schlechtere Jobangebote angezeigt. Und es ist klar, dann sagen die Techniker, ja, das waren halt die Daten, mit denen wir gearbeitet haben. Und aus meiner Sicht ist es jetzt, da könnte jetzt gerade diese Kollaboration, nämlich zwischen Technikern und Ethikern, Philosophen und anderen, darin bestehen, dass sie sagen, ja, vielleicht wir müssen sehen, wie wir andere Daten bekommen, andere Daten verwenden, eine sensiblere Auswahl solcher Daten treffen und möglicherweise auch künstliche Daten verwenden, um so einen Algorithmus, um so ein Programm zu trainieren. Und das würde das hier in dem Fall auch betreffen. Dann würde ich jetzt die letzte Frage hier in der Mitte zulassen. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Die geht tatsächlich in die ähnliche Richtung. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, aus meinem laienhaften Verständnis ist eine der großen Stärken von dem Machine Learning, dass teilweise auch unvorhergesehene Lösungsansätze gefunden werden. Und wenn es einen solchen unvorhergesehenen Lösungsansatz gibt, eben aus den Daten, die bestehen,
wann ist die Entscheidung, was man eingreifen muss, okay, so soll das nicht fortgeführt werden, weil das ist ja auch eine Frage, die zwischen uns Menschen überhaupt nicht klar ist, weil was ist gut, was ist schlecht, das haben wir ja so viele Meinungen, wie hier Menschen im Ort, im Raum sind. Bis zu gewissen Grundsätzen. Also natürlich gibt es einen gewissen Konsens, der aber auch dann zwischen verschiedenen Gesellschaften anders ist. Also man kann sich immer noch sagen, okay, es gibt dann, es kam vorhin die Sprache im religiösen Ansatz auf die 10 Gebote. Also ich glaube, wir können uns ja alle einigen, dass du sollst nicht töten ein guter Ansatz ist. Aber wenn man auf größere Projekte gibt, also ich habe vorhin ein bisschen rumgesponnen in meinem Gedankengang und gedacht, okay, wenn wir irgendwann automatisierte Systeme haben, die Probleme lösen, die wir als Individuen nicht lösen können. Also ich habe da an den Weltraum gedacht. Durch die Satelliten kann man ein Kessler-Syndrom erzeugen, dass es zu viele Objekte im Weltraum gibt, die eine Katastrophe auslösen können, dass wir also quasi nur noch Schrott haben, der um die Erde rumfliegt. Wenn irgendwann es Daten gibt, die für ein automatisiertes System, was das verhindern sollen, ein anderer Lösungsansatz ist, der aber für uns Menschen schädlich ist. Wie können wir eigentlich Regeln schaffen, für Fälle, die wir nicht vorhersehen können? Also wie schaffen wir für uns Menschen gute Regeln zu schaffen für Fälle, die wir überhaupt nicht wissen können, was wir da tun, wenn wir eben gerade die bestimmte Kompetenzen an Maschinen abgeben könnten in der Zukunft? Dankeschön. Sûr, hein, c'est la grande difficulté, hein, c'est que les machines peuvent nous surprendre et elles sont extraordinaires parce qu'elles nous surprennent. Vous avez parlé de la créativité tout à l'heure, hein. C'est un vieux débat, hein, mais parce que d'un côté une machine a été programmée de main d'homme et d'un autre côté la complexité, hein, les données qui lui sont données n'ont jamais pu être explorées par un homme et donc elle peut en retour nous donner un comportement tout à fait étonnant. Moi-même j'ai exploré, hein, la créativité en musique, hein, et on trouvait des choses passionnantes. Mais bien sûr, cette créativité peut nous surprendre. Alors c'est pour ça que je crois que, c'est aussi pour ça que j'ai travaillé sur la modélisation des raisonnements éthiques, hein, il faut essayer de rajouter sur les systèmes d'intelligence artificielle des prescriptions, qui soient des prescriptions morales, qui vont limiter l'activité de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça c'est, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui me semble, à l'avenir, sera nécessaire. Alors, il y avait un débat, je me souviens, aux États-Unis, parce que des collègues américains, qui sont très pragmatiques, hein, très empiristes, me disaient, on va apprendre automatiquement les valeurs. Et je leur expliquais que non, il y a des valeurs qui sont de l'ordre de la prescription, qui ne sont pas de l'ordre de l'apprentissage. Et par exemple, les 10 commandements, vous voyez, c'est un moment symbolique, hein, où Dieu donne aux hommes les règles. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Hein. C'est pas quelque chose qui peut être appris. Hein, si on parle des 10 commandements, par exemple, il y a un commandement, hein, qui, si on l'apprenait, hein, bon, d'abord, il y a des commandements qu'on n'apprend pas parce que, enfin, je veux dire, le fait de ne pas tuer. Enfin, mais un autre commandement, par exemple, hein, qui est sur l'adultère, hein, hein, c'est vrai que ça se pratique relativement couramment, mais ça reste un commandement. Hein, c'est-à-dire que si on apprenait, on dirait, ah ouais, l'adultère, on peut, parce que habituellement, il y a 30% de gens qui commettent l'adultère. C'est pas pour ça que c'est quelque chose qui serait acceptable. Alors, après, bien sûr, est-ce que ça suffit? Alors ça, c'est une question, parce que, hein, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une difficulté qu'on a avec les machines, c'est qu'elles peuvent se trouver dans des situations surprenantes, et là, eh ben, elles peuvent être très déroutantes. Vous savez, l'accident, par exemple, de la voiture Uber, il y a 2 ans, était lié au fait que les capteurs avaient fonctionné, mais qu'il y avait une personne qui traversait la route en poussant un vélo et qu'il n'avait pas été capable de le catégoriser. Parce que d'abord, elle était sur une route où elle ne devait pas être, et puis parce qu'en plus, elle savait ce que c'était qu'un piéton, ce que c'était qu'un cycliste, mais pas un piéton qui poussait un vélo. Et là, bien sûr, hein, on a affaire à des situations qui vont nous dépasser. Et alors, je voudrais conclure en disant que ça rejoint quand même des vieilles questions posées. Vous savez que dans la tradition kabbaliste juive, il y a un mythe qui est celui du golem. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est très étonnant parce qu'autour de ce mythe, il y a énormément de légendes. Et il y a une légende qui a donné naissance ensuite à la légende de l'apprenti sorcier, mais qui au départ vient du golem. C'est le moment où on fait
Vous vous souvenez de Goethe, l'apprenti sorcier? On fait faire quelque chose à une machine, et puis bien sûr, elle le répète, et on n'est pas capable de revenir en arrière. Mais je vais continuer donc et terminer sur le golem. Vous savez que dans la légende du golem, on dit que sur son front est écrit Emmet en hébreu, et que l'une des choses dans une des légendes qu'a fait le golem, c'est qu'il a pris un couteau, il a enlevé la première lettre qui est un aleph, et ça donne Met qui veut dire mort. Et donc, vous voyez, cette dualité des machines, c'est une question qui se posait à l'époque. C'est une question au début de l'âge moderne, d'ailleurs, et qui se pose, bien sûr, toujours aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Welch wunderbares Schlusswort. Ja, wir klatschen es erstmal. Aber ich will auch Ihnen allen danken, die Sie ausgehalten haben, hochkonzentriert. Man hat es knistern gehört, man hat es rauchen gesehen. Und wenn es nach mir ginge, würden Sie alle Credit Points bekommen. Nicht die chinesischen, sondern die aus der Bologna-Reform. Herr Lütke, ich weiß nicht, vielleicht können wir da was deichseln. Ja, also danke, dass Sie so aufmerksam waren. Ich weise nochmal auf den Büchertisch hin. Der hier hinten, mein Christus, steht bereit. Und Herr Lütke zückt den Stift vielleicht, ansonsten kriegt er einen von mir. Und leider, Edition Seuil, j'ai envoyé un email pour qu'il m'envoie vos livres, ça n'a pas marché à temps, malheureusement. Mais je vais indiquer, si vous voulez, sur la vidéo YouTube, tous vos titres, et comme ça, ils peuvent cliquer sur Amazon et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ich will jetzt noch einen außergewöhnlichen Veranstaltungshinweis von einem Partner, Sonja Stuchel, komm mal zu mir bitte. Können wir das ausmachen vielleicht? Da ist unten dieser kleine rote Knopf. Das bin ich auch weg? Nee. Also Sonja Stuchel kenne ich seit ein paar Jahren. Sie ist mit mir gemeinsam... beziehungsweise ich habe den Raum gestellt und du hast im Rahmen des Pro-Europa-Netzwerks hier Veranstaltungen durchgeführt. Und sie kam diese Woche über LinkedIn auf mich zu und meinte, ich habe eine unglaublich tolle Gelegenheit, eine Veranstaltung bei dir zu machen, informell eigentlich. Und für alle, die jetzt noch keine Angst haben vor Algorithmen und Dystopien, die im Raum stehen, das wäre vielleicht eine Veranstaltung. Beschreib doch ganz kurz. Sonja ist die Gründerin von Allianz for Europe. Sie ist jetzt Aufsichtsrat dort und es ist ein transeuropäisches Netzwerk zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Und sie bringt einen ganz illustren Gast hierher, der im kleinen Rahmen erzählt, was tatsächlich jetzt gerade im Netz passiert. Ja, vielen Dank. Also erst nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die viele Informationen und die Diskussion. Das ist das, was uns als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft stark macht, dass wir Fragen stellen, informiert werden, dass wir uns unser Gesicht dafür in die Öffentlichkeit geben, dass wir für unsere Fragen und unsere Hinweise und Kommentare stehen. Das ist ganz anders in den sozialen Netzwerken. Dort kann ich meine Fragen, meine Hinweise, meine Hetze unterbringen, meine Fehlinformationen, ohne dafür zu stehen. Und es gibt davon sehr, sehr viel. Und wer gerade in die Zeit geschaut hat, hat mal wieder einen verdichteten Artikel lesen dürfen, wie dort Menschen verfolgt, gejagt, bedroht werden. Das ist ein neuer Raum, das ist ein neues Medium. Wir kennen das noch sehr wenig. Unsere Unsicherheit und Irritation kommt nicht zuletzt daher, dass das so ein bisschen wie so ein wilder Westen ist, auf dem jeder sich austoben kann. Und am nächsten Dienstag morgens um halb neun, 8:30 Uhr haben wir gesagt, werden wir mal ein wenig Licht in das Dunkel bringen, nämlich mit unserem Social Media Intelligence Mann, der als Polizist und ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter jetzt ein Tool gebaut hat, um der Zivilgesellschaft eine Unterstützung anzubieten, den Raum der sozialen Medien ein bisschen zu verstehen, woher Narrative kommen, wer sich dort austobt und wie man darauf reagieren kann, um vielleicht den Diskurs wieder etwas offener, verbindlicher und ehrlich informativer zu gestalten. Danke. Und du meintest, wer will, bitte? Wichtig, weil das ja eher in so einem kleineren Rahmen ist. Bitte kurzer Hinweis, ich habe eine Liste dankenswerterweise in die Hand gedrückt bekommen, wo man sich anmelden kann und dann gibt es eine kurze Mail zurück, dass das klappt.
Wunderbar. Danke, Sonja. So, und jetzt erlaubt, ja, Applaus, Applaus, Applaus. Alles ehrenamtlich. Sonja könnte sich auch um ihre vielen, vielen Kinder kümmern und ganz viele andere Themen, aber das macht sie seit Jahren ehrenamtlich und es ehrt sie sehr und genau solche Menschen brauchen wir. Ich erlaube mir noch zwei weitere Veranstaltungen des Salon Rupert zu erwähnen. Am 17.02. das Klima retten, aber was kann ich noch essen? Da haben wir einen Spitzengastronomen hier im Haus, einen Freund des Hauses, Herrn Stromberg, der gerade ein Buch rausgegeben hat. Es kommen zwei Ernährungswissenschaftler und ein Veganer, ein aktivistischer Veganer, ein veganischer Aktivist, wie auch immer. Ein junger Mann, der Philosophie studiert und überzeugt jetzt, dass nur das Vegane der Weg ist, den wir gehen sollen. Am 18.02. das erste Mal in der Reihe Spiegel Live. Wir sind damit zum ersten Mal offiziell der Veranstaltungsort des Spiegels, südlich des Weißwurst-Äquators für die nächsten Jahre. Hoffentlich mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr. Und es kommt Ilse Aigner, unsere Landtagspräsidentin, die vielleicht ja auch nochmal was anderes wird. Und sie wird interviewt von Anna Klaus, der Leiterin des Bayerischen Spiegelbüros. Voilà, ich schließe mit einem Zitat eines Franzosen, zur Abwechslung hätte ich was gesagt. Thierry Breton, kennen Sie wahrscheinlich alle, war lange Jahre in der französischen Politik und zuletzt bei Atos führend, weltweit der größten Unternehmen, die sich mit Informationstechnologie auseinandersetzen. Und er ist seit kurzem EU-Kommissar, wie Sie sicher alle wissen. Und er hat aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Papier veröffentlicht vor kurzem. Ich habe es über LinkedIn gesehen und ich zitiere 2, 3 Sätze, die das Ganze, was wir heute gesagt haben, nochmal unter, aus meiner Sicht, noch positiveres Licht setzen und uns Hoffnung geben. Europe has everything it takes to lead the technology race. No, Europe is not lagging behind in the data battle. Letzter Satz. Ich hoffe, ich überfordere jetzt ihr sprecht ja perfekt Englisch, habe ich vorher gehört. Together we can make Europe a true ecosystem of the 21st century, a community at the service of each of our countries, our regions, our economies, all our businesses and all our fellow citizens. Kommen Sie gut nach Hause, aber vorher noch diskutieren und Wein trinken. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da waren.